retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Donc aujourd'hui, on va parler du spécial chat « Je suis Charlie ». D'abord, tiens, question numéro 1, est-ce que vous êtes Charlie ? Oui, alors, pas tout le temps, mais oui. Alors pourquoi, pourquoi oui, pourquoi non ? Pourquoi ? Parce que bon, c'est pas un journal que je... Faut dire que je prends souvent, mais de temps en temps, ça m'arrive de le prendre. Et voilà, parce que j'aime bien le côté un petit peu ironique de la façon que c'est tourné. J'aime bien, voilà, c'est plein d'humour et tout, donc j'aime bien. Donc de temps en temps, ça m'arrive de le prendre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre à la question ? Max, tu quoi avant, est-ce qu'on dit je suis Charlie parce que à cause de l'attentat, ou est-ce que vous êtes vraiment Charlie par rapport à leur idée, leur façon de penser? Est-ce que vous êtes vraiment Charlie par rapport à ça? Justement, après les attentats, parce que je suis honnête, j'ai jamais vu Charlie avant. Mm-hmm. Ce qui s'est passé, ben voilà, je suis Charlie. Parce qu'il faut défendre avant tout la liberté d'expression. Ok, André. C'est vrai que Moi, c'est un peu, on va dire, entre les deux. Je lisais aussi des fois un peu Charlie, mais le plus, bon, je lisais aussi pas trop, aussi, bon, voilà. Et donc après, moi, je l'ai acheté aussi le spécial qu'ils ont sorti après l'attentat, donc voilà. Bah, pour moi, qu'est-ce qui s'appelait, c'est le drame. Moi, je pense on est tous Charlie, voilà. Max? Max a perdu son micro. Génial. J'ai perdu votre micro. Moi, je ne lisais pas avant. Et du coup, je ne sais pas commencer à lire. Bon, moi, de mon côté, j'ai connu Charlie Hebdo avant. Hein. Je n'achetais pas Charlie Hebdo, mais je l'ai connu, vous savez, avec la une qu'il y avait entre un musulman et entre deux hommes qui s'embrassaient. C'était un musulman l'amour plus fort que la haine. Je les ai connus parce qu'ils étaient, dans mes amis dans le profil associatif. Et ils m'avaient envoyé cette une-là. Donc, ça fait un bon moment que je les ai connus. Et bon. Après, leur côté provocateur, est-ce que ça vous dérange? Franchement, est-ce que vous dites que quelque part, leurs idées, tout ça, ça choque, c'est la provocation peut-être un petit peu, mais est-ce que franchement, est-ce qu'il y a, bon, pour moi il y a pire par rapport à ça. Bon, il y a, on sait qu'ils étaient les ennemis du Front National, hein, ça c'est pas un scoop, mais par rapport, tiens, justement, si on peut en parler tout de suite, tiens, du journal, et qui c'est qui a le journal de la semaine? Le journal de quoi? Avec toutes tes pardonnées, je l'ai sur moi au passage. Bah, moi aussi, je l'ai. Qu'est-ce que vous en pensez là? Tiens, justement de la une avec Mahomet. Vous avez eu la une tout le temps? Moi, je l'ai pas eu. Donc tout est pardonné. Bah, moi, qu'est-ce que j'ai entendu sur BFM à ce qu'il a dit? On ne parle pas de BFM. C'est chacun son opinion. C'est ça le BFM. Ah oui, mais bon, moi, je pense que tout est pardonné par rapport. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé avant, je veux dire? Moi, je l'ai sur moi, je l'ai devant moi en version papier. Moi, il me choque pas. Alors, je pense qu'il y a les musulmans dans les pays africains qui sont très très choqués. Ils disent que c'est de la provocation, que c'est un signe, que c'est un acte de guerre. Moi, je trouve pas. En plus, le mot tout est pardonné veut tout dire. Mmh. Enfin, déjà. Peut-être que le fait qu'il y ait la pancarte je suis Charlie, bon. À la limite, peut-être que c'était de trop, mais le tout est pardonné, c'est quand même un message quand même qui n'est pas à négliger, à mettre de côté. Moi, je trouve que c'est quand même. C'est un message, en fin de compte, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à Charlie Hebdo, le problème, c'est qu'ils ont, c'est pas la première attaque qu'ils ont déjà eu. Ils en ont déjà eu en 70, ils en ont eu en 80 et quelques. Passé. Et puis ils ont eu même après, même avant cet attentat. Ils ont eu des menaces. Ils ont eu des menaces. Ils ont eu des procès. Ils ont eu des menaces. Alors les menaces datent en fait du premier, quand ils ont publié Mahomet il y a quoi, deux ans si je me trompe pas, un ou deux ans. J'avais aussi les locaux incendiés. Aussi, oui. Mais bon, il y a eu les menaces ont commencé à ce moment-là déjà. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une liberté d'expression. On va en parler longuement. Voilà. Ça.
voilà. Le problème, c'est pas question de d'attaque, parce que tu peux faire de la liberté d'expression sans forcément attaquer un certain type de religion. Est-ce que franchement, même supposons qu'on est, on ne tolère pas forcément leur dessin, leur façon de parler, leur caricature. Est-ce que franchement, est-ce que ça méritait pour autant de les tuer pour ça? Ah non. Franchement, tout ça parce que de toute façon, je vous signale tout à l'heure, je vais pas y aller de main morte. Je vais quand même dire quelques paroles du Coran. Hein, je vais y aller direct cash tout à l'heure. Vous allez voir que ce qu'ils ont fait comme acte, parce qu'ils disent qu'ils punissent en fait l'acte terroriste qu'il y a eu, c'est pour punir l'acte qu'ils ont fait par rapport à la caricature envers Mahomet, et que le Coran fait pour eux tolère à tuer finalement. Alors qu'en fait, j'ai bien lu effectivement. Le Coran est très contradictoire. Hein, je vous rassure. Ils disent il faut pas tuer, mais on peut. Il faut savoir ce qu'ils veulent. Mais bon, bref, on en parlera tout à l'heure. Bon, quoi qu'il en soit, on va aussi faire directement aussi l'hommage aux victimes. Je pense qu'il y a une priorité quand même à ces 17 personnes tuées lâchement, quand même. Là, j'ai bien dit lâchement. J'aimais bien je pense sur les 17 que tu as cité. Oui. Donc, il y a une personne que ma mère aimait. Ouais. Plus. Je pense que c'est Cabu peut-être, à la limite. Non, même c'est pas. Volinsky. Volinsky, d'accord. On en parlera après. Donc au nom de et moi, c'est plus Cabu, voilà, parce que bon, voilà, génération. Donc au nom de notre association, donc Equality, bien sûr, toute notre équipe, amis et sympathisants, on va rendre hommage aujourd'hui donc aux 17 victimes qui ont été tuées lâchement et sauvagement durant ces 3 jours d'attentat entre le 7 janvier et le 9 janvier dernier, que nous qualifierons, quoi qu'il en soit, d'inexcusables. Qu'on le veuille ou non, on ne tue pas une personne pour avoir simplement eu la liberté d'expression avec une caricature, en plus un dessin. Moi, je trouve ça vraiment lamentable. Donc, on va les citer un par un. Donc, le 7 janvier, il y a eu 12 victimes. Lors de l'attentat de Charlie Hebdo, il y a eu 2 policiers. Donc, il y a eu Franck Brinceau-Larot, qui est brigadier au service de protection. Il y a Ahmed Merabé, qui est policier policier du 11e arrondissement. Ensuite, il y a 8 dessinateurs et journalistes, dont Jean Cabu, qui est dit Cabu. Stéphane Charbonnier, sous le nom que vous connaissez, Charb. Voilà. Philippe Honoré. Il y a Bernard Verlac, qu'on surnomme Tignous. Il y a Georges Volinsky. Il y a Elsa Kayat. Alors, c'est une psychanalyste et chroniqueuse, pour ceux qui ne la connaissent pas. Il y a Bernard Maris. Et il y a aussi Mustapha Ourad, qui est correcteur. Il y a eu 2 autres personnes, il y a eu Frédéric Boisseau aussi, qui était agent d'entretien, et il y a eu Michel Renaud, qui était fondateur du festival Rendez-vous du carnet de voyage. Voilà. Donc voilà, 12 victimes le 7 janvier. Le lendemain, 8 janvier, à Montrouge, il y a eu une policière municipale tuée qui se nomme Clarissa Jean-Philippe. Et ce qu'il faut savoir par rapport à la policière, elle était stagiaire. Ah, pour moi, il n'y a pas marqué stagiaire. Elle est titulaire. Stagiaire, ça a été annoncé. Ça a été annoncé. Elle venait juste de rentrer, d'avoir son diplôme. Et enfin, le 9 janvier, à la porte de Vincennes de Paris, 4 otages qui ont été tués par Koulibaly. Donc, Johan Cohen, qui avait 22 ans. Yoav Attab, qui était le fils du grand rabbin de Tunis. Vous étiez au courant? Ah non. Voilà, je vous l'affirme, hein, c'est pour ceux qui ne savent pas. Philippe Brahm, qui a une 40aine d'années, et François-Michel Saada, qui avait à peu près une 60aine d'années. Donc aujourd'hui, on rend hommage à ces 17 personnes tuées, comme je vous dis, lâchement et sauvagement. Alors, vous savez, est-ce que vous connaissez les motifs? Donc pour Charlie Hebdo, vous le savez, je viens de vous le dire. Oui. Voilà. Mm-hmm. La victime de Montrouge, par Koulibaly. Non. Ça, je sais pas. Bah, parce que c'était, elle a fait tout simplement, elle était sur le chemin de Koulibaly, tout simplement, elle était sur le bizarre. Et en plus, elle a été tuée par derrière, en plus. Mmh. Je sais pas si j'ai bien entendu toutes les infos que j'ai vues, parce que j'ai été très, 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 très concentré sur les infos pendant 10 jours. Si j'ai bien compris, elle a été tuée dans le dos. Oui, elle était intervenue sur un accident de voiture. C'est ça. Et les 4 otages, vous savez pourquoi? Alors, il y a deux raisons. D'une part parce qu'ils sont juifs. Que des juifs. Et deuxièmement, c'est parce qu'ils ont refusé d'obtempérer. D'accord. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve ça stupide. C'est ce que j'ai entendu. D'en arriver là, je trouve ça stupide.
Donc on n'oublie pas non plus les blessés. Qu'il faut, voilà, même s'ils sont pas morts, il faut pas non plus oublier ce qu'ils sont traversés pendant cette période, dont certains qui ont dû se battre aussi pour rester en vie. Ouais. On n'oublie pas non plus les otages survivants qui doivent traverser une difficile épreuve psychologiquement en ce moment. Parce que, hein, vous savez, psychologiquement, il faut quand même s'en remettre. Il faut quand même aussi rendre un hommage particulier aussi à un héros. Qui est à la porte de Vincennes, qui se prénomme Lassana Batili, et qui, grâce à lui, on pense sauver des vies de certains autres otages. Voilà, vous savez, avec ce qui s'est passé au sous-sol, dans le frigo. Et un autre salut, un hommage particulier, on en parlera tout à l'heure, c'est à Lilian Lepère. Alors peut-être que vous connaissez moins ce nom. C'est celui qui a eu le courage de tenir bon pendant 8 heures à Dammartin, qui s'est caché sous un évier, sans se faire repérer par les frères Kouachi. Donc voilà, ouais. Donc je tiens quand même à saluer ce courage et tout ce qu'il a, pendant 8 heures il a tenu. Hein. C'est quand même hallucinant ce qu'il a réussi à faire et je tenais franchement à lui rendre Pour ce qui est de la policière, donc je confirme, hein, c'est bien une stagiaire âgée d'une vingtaine d'années, célibataire et sans enfant. Voilà. D'accord, très bien. Comme ça on le sait. Excusez-moi, j'ai réglé ce qui fait n'importe quoi, qui essaye de s'incruster n'importe où. Je vais pas rappeler les faits de tout ce qui s'est passé. Vous savez que ça a duré 2 minutes, l'attentat de Charlie Hebdo, ça a été très très rapide, soi-disant. Il y en a certains qui ont échappé, il y a eu des survivants. Je pense à Luz, par exemple. Il y en a certains qui ont échappé à l'attentat, qu'il y en a même un qui a réussi à, pour s'en sortir, il s'est fait passer pour mort. Je sais pas si vous l'avez vu cette semaine. Il s'est fait passer pour mort pour éviter de, bah justement, d'être dans le viseur des Kouachi. Donc ça a duré 2 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quand même quelque chose qui me frappe. Je pense qu'on va reparler de ça. C'est la carte d'identité dans la voiture de Saïd Kouachi. Ça, quelque part, ça vous choque pas? Vous dites pas que c'est, vous pensez réellement que c'est une erreur ou c'est volontaire? Ce qui est bizarre, c'est que le mec fait tout pour récupérer sa paire de chaussures et qu'il laisse sa carte d'identité dans la... Non, ça a été fait exprès. Bah, je trouve bizarre parce que. De toute façon, moi je trouve aussi un peu bizarre, c'est que les rétros, je sais pas si vous avez bien vu. Alors, il y a une histoire de couleur de. Il y a les aussi rétros, une... c'était blanc. Oui, c'est ça. On retrouve la voiture, elles sont noires. Donc, il y a un C'est bizarre parce que, ce qu'il faut préciser, c'est qu'au départ, et il y a une vidéo qui prouve comme quoi qu'on les voit, une fois sortis de Charlie Hebdo, on les voit monter dans une voiture noire. Et comme par hasard, ils prennent ça à la légère. Ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment, suite à l'attentat, je sais pas, ils prennent. C'est comment on a réussi à les filmer sans être vu. Ah, ils étaient cagoulés déjà. Oui, mais comment on a pu les reconnaître que c'est la carte d'identité de Saïd Kouachi. Bah, au départ, forcément, ceux qui sortent de la banque qui sont cagoulés. Mais comment tu peux savoir que ils ont été c'est un regroupement. Ils ont fait forcément le rapprochement avec Saïd en premier. Je pense qu'ils ont fait le rapprochement avec Shérif, parce que comme c'était lui le premier Premier attentat, puis il y a eu les empreintes, je pense aussi. Il y a eu les ADN et tout qui ont confirmé. Avec des gants, normalement, ils étaient. Non, mais il suffit simplement de relever les ADN. Quand ils étaient assis sur les sièges de la voiture avec leurs habits. Aussi, oui. Pour confirmer leur présence, oui, effectivement, il y a eu. À moins qu'ils avaient les gants, mais je pense pas. Mais si, ils avaient les gants. Hein. Mais oui, bon. Ils avaient des gants, alors comment tu peux. C'est bizarre. Il n'y a pas de sang non plus sur la vidéo du policier abattu, au fait. Hein. Je pense que vous étiez au courant aussi. C'était quand même hallucinant. Donc c'est vrai qu'on s'est posé des questions, mais on s'est dit, mais qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était intentionnel de laisser la carte d'identité, ou est-ce que c'est vraiment un oubli de leur part? Franchement, donc si vraiment c'est un oubli, je pourrais dire que le côté amateurisme. À mon avis, ça a été fait exprès. C'est quand même hallucinant. Moi, il y a autre chose qui me frappe aussi, et je pense qu'il y en a plein qui. Je brûle un peu les étapes, mais je voudrais en parler maintenant. C'est quand ils sont échappés en Picardie, soi-disant qu'ils étaient en Picardie et qu'ils ont été retrouvés à Dammartin franchement, comment ils ont fait pour aller de la Picardie jusque là sans passer en 2 jours, sans se faire repérer par la police avec les contrôles de voiture, surtout que le problème c'est qu'ils étaient suivis par hélicoptère tout le long. Mais attends, alors comment ils ont pu échapper à
Alors c'est quand même. Le problème, c'est qu'ils ont changé de véhicule. Surtout. Non, je veux dire pourquoi. Parce qu'il y a eu un gars de la pompe à essence qui, a, qui les a soi-disant reconnus. Mais c'était dans la nuit, si je me trompe pas. Mmh. Et le lendemain matin, ils sont dans Dammartin. Alors, Dammartin, les Pouègues, je ne me rappelle plus, les Goëlles plutôt. Pardon, je vais réviser le nom. Qui c'est qui connaît le nom de la ville Dammartin, les. Goël. Les Goëlles. Je crois que c'est ça. Les Goëlles, oui, c'est ça. Et que, comment ils ont fait en même pas une nuit, on va dire, pour aller de la Picardie jusque-là, déjà, il faut quand même le faire, il faut en plus rouler vite. Et pour, en prenant l'autoroute, hein, ça va vite. Et je me suis même posé la question, à titre personnel, si le gars de la pompe à essence n'était pas complice. En sachant qu'ils ont quand même pas mal traîné dans la capitale aussi, parce qu'ils ont quand même galéré pour sortir apparemment. Ouais, sortir de la capitale. Parce qu'ils ont quand même changé, je crois, 3 ou 4 fois de véhicule dans la capitale. Fois. Trois fois, puisque le dernier véhicule, apparemment, qu'ils auraient, c'était une Clio grise. Et c'est le dernier véhicule qu'ils avaient. Une Clio grise. En tout cas, ce qui a été quand même assez hallucinant dans toute cette histoire, c'est que ce sont des personnes qui se permettent d'attaquer un journal, donc Charlie Hebdo, et qui finissent quand même dans une imprimerie. Ah, on en parlera tout à l'heure de l'ironie, c'est quand même pas mal, ça. C'est vrai que c'était assez comique, quoi. D'ailleurs, c'est qu'ils sont passés par la marre. Je pense aussi. Que vous voyez Charlie Hebdo aurait dû se servir de ça dans la vie, finalement. Parce que ça aurait été comique, ça aurait été amusant. Bon, au lieu de, c'est dommage de se servir de Mahomet, parce que finalement, Charlie Hebdo n'est pas concerné par Mahomet. C'est ça qui m'embête un peu. C'est plus Kacher qui est concerné par l'antisémitisme. Ouais. Donc, ils auraient dû finalement, dans la une, se servir finalement que les meurtriers de Charlie Hebdo ont fini dans l'imprimerie. Ça aurait été comique, ça, par contre, dans la une. Moi, ça m'aurait bien fait. L'imprimerie, elle a pas été. Peut-être que l'imprimerie où ils étaient, elle n'a pas été visée au hasard. Je pense que il faut pas oublier que Saïd a été blessé. Plus c'était une planque dans l'instant. Il me semble qu'ils se sont planqués parce que si je me rappelle bien, Saïd a été blessé. Il s'est blessé quelque part, on ne sait pas où. Il a été blessé en échange de coups de feu. Voilà, si j'ai bien entendu le résumé. Donc voilà. On va aussi passer au 8 janvier, parce qu'avant qu'on passe ce qui s'est passé à Dammartin le 9, on va quand même parler de la fusillade à Montrouge, le 8 janvier, qui a donc tué une policière municipale alors en fait, elle a été appelée ce jeudi-là pour un accident de la circulation à Montrouge, et elle est morte dans une fusillade, tout simplement. Donc il y a aussi un agent d'avoirie qui a été grièvement blessé ce jour-là, et malheureusement, la policière n'a pas... Elle a fait l'honneur de la nation. Je sais pas comment vous dire. Elle a été froidement abattue dans l'exercice de sa mission de protection des citoyens et elle a été victime d'un déchaînement de violence aveugle. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Manuel Valls sur Twitter. Ouais. Bon, on ne sait pas pourquoi. Alors la fusillade à Montrouge, on n'a pas compris pourquoi. Peut-être qu'on se dit que Koulibaly avait une autre intention par rapport à ça. Est-ce que c'était prévu qu'il fasse finalement son attentat à Cachère ce jour-là? Est-ce que c'était prévu ce jour-là? Parce que d'après ce que j'ai entendu sur BFM TV, ils étaient synchronisés les deux. Donc C'était prévu parce qu'il me semble avoir entendu que 3 jours avant, il avait été repéré des lieux avec sa copine. Voilà, c'est ça. Oui, il faisait partie du même. Alors, à savoir si c'était prévu finalement qu'il faisait un attentat, parce qu'une fusillade c'est pas un attentat, c'est un assassinat. Est-ce que c'était prévu ou pas qu'il allait faire son attentat. Il l'avait dit, shérif. Non, c'est pas fait shérif, c'est Koulibaly là. Pour la fusillade. Il a dit même. Quand il a été parce qu'en 98 quand il a été condamné. Oui. En 98. Oui. Oui, parce oui. qu'il a été condamné pour. Il y a déjà un des frangins, ce shérif. Et oui, en prison, Franché, il était en prison, mais c'était pas en 98, c'était les années 2000, il me semble. Non, c'est 90. C'est pas entre 2008 et 2011, un truc comme ça. Ou 2008, je sais plus. C'est pas un truc comme mais ça. Mais je sais qu'il a. Et il a dit qu'il se vengerait le jour de la prise d'otage, il a téléphoné à BFM TV à 15h. C'est ça. Ça, on va en parler parce que franchement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Comment BFM TV a réussi à parler à Koulibaly et à Sherif Kouachi? Parce qu'il les a appelés avant. On s'est même posé la question. Ouais, mais bon, c'est quand même hallucinant d'avoir, et c'est quand même hallucinant en plus que les deux, on va dire,
terroristes puissent répondre à des questions aussi claires, aussi en plus d'une manière simple et d'une manière humble, on va dire tranquille. Et il a dit clairement, il a dit j'avais prévu de faire les flics et eux de faire le reste. C'est quand même hallucinant. Et en plus, c'est finalement, il y en a un qui a appelé volontairement BFM TV. Ouais. Je crois que c'est Chérif Kouachi, si je me trompe pas. Et Koulibaly, alors Koulibaly, lui, il a pas été mieux. Hein. On l'a appelé sur le téléphone sur à Kacher et il a oublié de raccrocher le téléphone. Il faut quand même le faire ça. Mais je pense qu'à mon avis, ça a été. Oui, mais c'est ridicule. Mais tu parles d'une organisation, c'est ridicule. Ils ont réussi à rendre service à la police en faisant ça. C'est ça qu'ils ont oublié. Bon, on sachant très bien que celui du cacheur aurait pu s'en sortir. Mmh. Oui. Parce que quand les forces de l'ordre l'ont pris en tenaille, il avait la possibilité de se rendre. D'après ce que j'ai pu entendre et lire, le seul truc, c'est que malgré tout, alors qu'il était franchement pas en position de force, il a quand même pris la décision de tirer, et donc du coup d'où pourquoi il a été abattu, quoi, hein, de toute façon. Alors qu'il aurait pu être arrêté normalement. Hein. Si moi je ne sais pas si j'ai bien entendu ce que j'ai entendu le 9 janvier quand même, quand il y a eu l'attentat à Kacher. Alors Kacher, c'est le magasin, vous savez, juste l'épicerie juive qui est dans la porte de Vincennes à Paris. Bon. Quand il y a eu tout ça, il m'a semblé avoir entendu de la part d'un otage qu'il y avait un deuxième terroriste. Alors où il est, lui, en fait? Et je crois qu'il est mort aussi, non? Je crois qu'ils l'ont abattu aussi. Et non, justement. Non, justement. Il en reste qu'un. Et non, justement, parce que on soupçonnait par rapport parmi les otages tués, on soupçonnait que c'était un des complices. Malheureusement, non, parce qu'on vient de voir, on a l'identité de toutes les personnes, on a les photos, ils ne font pas partie des terroristes. Alors oui, finalement, parce que il y a un otage. Je sais pas si tu l'as vu, mais le 9, il y a une vidéo qui a été postée par Europe 1. Oui. Où les flics étaient en train justement de tomber sur quelqu'un et l'ont arrêté. Alors je ne sais pas s'il avait un bien. D'accord. Mais est-ce qu'il était dans Kacher? Est-ce que c'était le complice, le Koulibaly? C'est ça la question. C'est possible. C'est possible. On n'en sait rien et on le saura pas parce qu'ils vont décider de calmer. Maintenant qu'ils sont morts, automatiquement ils vont pas divulguer. Alors, le 8 janvier, pour en revenir suite à l'attentat de Charlie Hebdo, donc François Hollande a déclaré 3 jours de deuil national. Je pense que c'est mérité. Est-ce que franchement ça mérite qu'on aille jusqu'au deuil national et de mettre les drapeaux en berne, franchement? Bien sûr. Ça mérite. Ça représente quand même l'image de la France, quoi. Je veux dire, bon, voilà, tu t'attaques à des médias français. Enfin voilà. On attaque la liberté. Ça reste quand même des attentats monstrueux. Parce que les personnes n'ont eu, enfin surtout dans Charlie Hebdo, ils ont eu aucune chance, quoi, je veux dire. Donc moi le premier qui me vient en tête, c'est surtout l'agent d'entretien, quoi, je veux dire. Le pauvre mec, lui, il fait son taf et puis il est venu le matin bosser, sans se douter qu'il allait en prendre une dans les gencives. Pareil pour les autres, quoi, je veux dire. Donc ça reste quand même un attentat très très ignoble, quoi. Je vais vous dire pose cette question parce qu'il y a eu une grosse polémique par rapport à ça, par rapport aux morts qu'il y a eu au Mali. Vous savez qu'il y a eu une vidéo qui a été postée. Oui, on en fait des tonnes, on en fait des caisses par rapport aux morts de Charlie Hebdo. Alors pendant ce temps, vous savez, il y a une vidéo où on voyait 200 morts au Mali qui étaient allongés les uns les autres. Est-ce que vous avez vu cette photo, cette vidéo qui a fait polémique sur les réseaux sociaux? Je vous pose cette question parce qu'on on se dit, pendant ce temps, il y a 12 morts, oui, parce qu'on a touché à la liberté en France, tout ça. Mais vous savez, à côté, la France a envoyé des soldats au Mali et tout ça, et il y a eu 200 morts. Et on n'en parle pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que ça fait grosse polémique, cette histoire. Bah, de toute façon, automatiquement, que ça soit des morts, que ça soit au Mali ou autre pays, ou en France, je suis désolé, t'as pas le droit de te permettre de tuer qui que ce soit. Les lois ne sont pas... Moi, c'est ce que je comprends pas. Je vais revenir sur les attentats qu'il y a eu où il y a 17 morts. Par contre, moi, je comprends pas. Pourquoi on a attendu qu'il y ait eu le rassemblement du 11
du 11 janvier pour dire, en fin de compte, l'attaque, elle vient d'Al-Qaïda. Pourquoi ils ne l'ont pas dit directement? Ah bah, de toute façon, on s'y attendait. On s'y attendait. Quand, Non, mais ils ont attendu qu'il y ait eu le rassemblement de tout le monde. Alors, je crois qu'on l'a su le vendredi soir pour Al-Qaïda. Non. Si, on l'a su. Ça a été dit le 9 janvier par Sherif Kouachi sur BFM TV qu'il est envoyé par Al-Qaïda. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi que je ne me trompe pas. Comme par hasard, ils attendent qu'il y ait des morts. Ils attendent pour qu'il y ait des morts. Pourquoi les infos? C'est ça que je comprends pas. Ils ont une liberté d'expression. Pourquoi ils donnent pas les éléments? Pourquoi ils disent ils attendent. Ils l'ont divulgué. Alors pourquoi ils n'ont pas dit en même temps? C'est pour éviter finalement. À ce compte-là, s'ils le savent avant qu'ils diffusent des trucs, pourquoi ils le donnent pas diffusions? C'est vrai, je vais poser la question. C'est idiot quelque part de pas avoir diffusé avant. Pourquoi? Finalement, il y en a un des deux qui a appelé volontairement la télé. Oui, et pour dire oui, Al-Qaïda, c'est pour le dire. Comme quoi que c'était une attaque Al-Qaïda. Pourquoi ils l'ont pas dit automatiquement? Ils ont attendu le jour du... Non, c'est le soir qu'ils l'ont mis. C'est-à-dire qu'il y en a... Ils ont été obligés d'attendre que ça soit définitivement fait, que le raid intervienne, etc. Si je me souviens bien d'histoire Sherif Kouachi, il y a 9h ou 10h du matin, je crois, et Koulibaly l'après-midi, hein, c'est ça? Est-ce que je me trompe? Je sais pas si je me trompe au niveau des horaires. Ils ont eu un quart d'heure d'intervalle. Et ils ont diffusé les deux, voilà, les conversations téléphoniques le soir à 19h. C'est bizarre parce qu'il y en a un des deux qui, je crois que c'est le frère Kouachi qui a appelé volontairement BFM TV pour parler de ça. Alors que c'est, je vais te dire pourquoi ils l'ont pas diffusé de suite. C'est parce qu'en fait ça a été ordre de la police de pas le diffuser de suite parce qu'ils ont averti. Quand ils ont eu la conversation avec eux, ils ont appelé les flics et ils ont donné l'enregistrement aux policiers. Et les policiers ont dit bon ben vous ne divulguez pas, vous attendez. Je pense que c'est peut-être aussi pour garder le calme au niveau des citoyens. Je pense, parce que le but recherché, notamment à Cacher, quand il y a eu Koulibaly qui avait les otages, le but recherché, c'est qu'il y ait le calme absolu autour de Cacher. Voilà, c'était la priorité des policiers que ça soit calme et que ça reste concentré. Je pense qu'ils ont voulu éviter les paniques au niveau des familles, au niveau de pas mal de choses. Donc, je pense que le but recherché, c'était ça. Est-ce que la police a le pouvoir de... Je pense que c'est plus pour moi les ministères qui ont arrêté les médias plus que les polices, parce que je crois que la police n'a aucun droit sur les médias d'arrêter les trucs. Je crois que c'est plus le gouvernement qui a demandé ça. C'est le préfet qui a décidé de... Je pense pas que c'est le préfet. Non, c'est pas le préfet. Je crois que c'est carrément le ministre de l'Intérieur. Oui, c'est le ministre de l'Intérieur qui a dit on attend un peu de voir... Parce que je pense que c'est le ministre de l'Intérieur qui a dû demander à BFM de dire non, attendez, ne diffusez pas tout de suite pour des raisons de sécurité. Parce qu'avant d'ouvrir le feu, ils ont essayé de négocier avec eux. Je suis pas convaincu pour Koulibaly. Négocier quoi? Qui se rendent avant que... Ah, parce que tu crois qu'ils vont se rendre? Non, je crois qu'il n'y a pas eu de négociation, je pense. Avec Koulibaly, il y en a eu une, et en fait, Koulibaly a répondu, et vous libérez vous faites sortir les deux frères là-bas, et après vous me libérez à moi, et il n'y aura pas de problème. Je pense qu'il a dit ça à mon ami, je ne suis pas sûr, mais... Et il voulait que les deux frères soient relâchés et laissés... Alors, revenons... Voilà. On va revenir quand même sur plein d'événements qui se sont produits le 9 janvier. Alors, quand même, il faut rappeler que c'est quand même la première fois dans l'histoire de la France qu'il y a eu deux attentats en même temps. Enfin, c'est même pas un attentat, Kouachi. C'est ça qu'il faut pas oublier. Les frères Kouachi, c'est pas un attentat, c'était pas une prise d'otage, parce que... l'attentat de Charlie Hebdo, je parle de Dammartin. C'est-à-dire que on parlait d'un double preneur d'otage. Or, il n'y a pas eu de preneur d'otage, puisque finalement, celui qui était, dans le local je parle pas de Cacher, je parle de Dammartin, c'est-à-dire l'imprimerie. Le gars était caché, il savait même pas si finalement il est Kouachi. Mais il y avait quand même des otages. Aucun. Non, à Dammartin, zéro. C'est ça. Donc finalement, ah bon, il n'y en avait pas. Ah bon, alors tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'il y a des témoignages? Parce qu'il y en a un, je viens de le rappeler. Qui était dans l'imprimerie, il y avait quatre personnes au moins. Non, il n'y avait personne à Dammartin dans l'imprimerie. C'est BFM eux-mêmes qui l'ont dit. Non, ça c'est Cacher, ça. Non, dans l'imprimerie, BFM l'a dit. Et sur la radio RMC, je l'ai entendu, il y avait
sur RMC, ils ont annoncé que dans la prison. Désolé. Dans l'infirmerie, il y avait des otages. Il n'y a pas eu d'otages, non? Ah, si. Non, je suis désolé. Ah, bah si, sur RMC, ils l'ont dit. Sur RMC, maintenant. Non, il n'y a pas eu d'otages. Ah, bah, attendez, il n'y a pas eu d'otages. Par contre, il y en a un qui était caché. Alors, lui, par contre, je me demande comment il a fait. Il a un sacré courage d'arriver pendant 8 heures caché sous un évier dans un carton, en fait. Comment il a fait? Non, faut quand même souligner son courage. Le carton a dû exploser. Et vous savez qu'il est passé il n'y a pas très longtemps sur France 2, il a dit qu'un des phares Kouachi était à 50 cm de lui. Il n'a même pas été repéré. C'était quand même hallucinant. C'était quand même hallucinant. Et puis il a entendu quand même tout ce que les Kouachi le frère disaient. Le frère a dû le savoir. Ils ont dû le savoir qu'il était là. Mais sauf que voilà, ils ont dit il y a une assez mort comme ça, on va aller. Non, je pense pas. Alors, attends, explique-moi comment dans un carton. Oui, il a pu se planquer sous un évier sans que le carton soit. Sans que le frère remarque que le carton est ouvert. Il y a un truc qui n'est pas clair. Bah écoutez, c'est dans la lignée de qu'ils ont laissé la carte d'identité dans la voiture. Voilà. Ça reste dans la lignée, c'est un petit peu non, ça. Non, mais ouais. Sur le carton. Si le carton. Si le frère il était à 50 cm du carton, excuse-moi, il aurait dû voir qu'il était ouvert, le carton. Si c'était dans un carton. Bon. Franchement, c'est qu'il y a un truc qui est pas clair. Je vais continuer le sujet. Vous savez que suite à ce qui s'est passé à Cacher par rapport à Koulibaly, et ben maintenant, vous savez qui c'est qui est visé en premier, c'est les musulmans français. Les musulmans français, malheureusement, qui sont inquiets aujourd'hui, ils ont peur des représailles et ils ont peur d'être éjectés du pays. Ouais, ils ont peur de représailles. Il faut rappeler un détail. Même si c'est un crime, parce que c'est reste un crime antisémite, de toute façon, ce qui s'est passé à Cacher. Est-ce qu'on franchement doit condamner pour autant une religion et tous les musulmans? Ah non, non, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne doit pas les condamner. Est-ce qu'on mais doit, est-ce alors, qu'on... à ce compte-là, il y a un truc que je comprends pas. Ils sont contre ce qui s'est passé, d'accord? Alors pourquoi ils critiquent encore les musulmans critiquent encore le Charlie Hebdo? Parce que tout simplement ils ont mis le visage de Mahomet sur la une. Ils sont contre les morts. Qu'il y a eu les attentats, mais ils sont encore autant critiques contre ce qui s'est passé. Tu sais, t'as pas besoin de gueuler, je suis pas sourd. Alors à ce moment-là, ils cherchent la guerre civile. Je ne suis pas sourd au passage. Donc ce que je veux dire aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à Mahomet, bon, je pense que c'est plus ça, c'est de la provocation qui a attisé. Mais ils ont bien dit les musulmans qui condamnent pour autant les meurtres, parce que le Coran n'accepte pas, ne tolère pas ça de toute façon. Donc ils ont bien expliqué. Mais ça ne veut pas dire que les musulmans effectivement tolèrent la manière que finalement provoque Charlie Hebdo par rapport à alors, Mahomet. Concernant l'imprimerie, en effet, il n'y a pas eu d'otage parce que je suis tombé sur un article où il est cité. Donc, ils ont laissé passer quelques jours avant de parler Michel Catalano, gérant de l'imprimerie CDT de Dammartin en Goële, Seine-et-Marne, qui a été investi par les frères Kouachi vendredi, s'est confié ce lundi à France 2. Il raconte ses échanges avec les terroristes qui l'ont finalement laissé quitter l'imprimerie. Et son employé Lilian n'a pas eu cette chance. Il a été obligé de se cacher sous un lavabo en attendant de ne pas bouger pour ne pas éveiller l'attention des terroristes. Voilà, plusieurs heures intermittentes avant sa libération. Donc il y avait quand même quelqu'un qui était dans l'imprimerie, c'est-à-dire le patron, mais ils l'ont lâché, donc il n'y a pas eu d'otage. Voilà. Donc, ils l'ont lâché et il y a seulement l'employé qui est resté caché tout le temps de l'investigation. Mais il aurait été relâché aussi, parce que si les Kouachi relâchaient le patron, ils auraient relâché peut-être le deuxième aussi. Pas forcément. C'est dans la logique des choses. Autant plus on d'otages, mieux c'est pour eux. Dans ce cas, c'est pas logique. Après, voilà, il a décidé de se planquer, il s'est planqué, quoi. Mais bon. Mais c'est dommage, quoi. Enfin bon. Pour en revenir donc au sujet des musulmans qui sont inquiets, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que les musulmans français sont français.
D'une part, il faut rappeler que les Français, ils sont Français. Donc, dès qu'on a la nationalité française, on reste Français. Ça, c'est déjà le premier point. Qu'on soit musulman, juif, catholique, tout ce que vous voulez. Après, voilà, il faut pas tous non plus les mettre dans le même panier. On a bien des Français qui partent au djihad ou des trucs comme ça. Donc, je veux dire, de là, voilà, faut pas tous les mettre dans le même panier. Ça se comprend qu'ils sont inquiets. Je le comprends totalement. Et puis voilà quoi, donc je veux dire, moi je comprends leur inquiétude. Bah, ils ont peur aussi de la montée du racisme. Mais bien sûr. Mais après, ça ouvre beaucoup de portes à beaucoup de choses quoi. Donc voilà, notamment au racisme, etc., etc. quoi, je veux dire. Donc moi je les comprends. D'accord. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir, Max et Cédric aussi? Je veux dire mes choses comme Lionel, mais bon, je veux pas. Voilà. C'est vrai que dans ces bonnes vieilles habitudes. De toute façon, on les comprend. De toute façon, c'est assis. De toute façon, ils sont en France. Donc, c'est un peu normal. Maintenant, faut qu'on. Je pense, tout le monde est un peu vigilant. Bon, je pense aussi, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, le après, maintenant? De toute façon, il faut bien se dire que c'est depuis ces attentats-là, tout le monde se méfie de tout le monde. On sent les tensions. Enfin, moi, je le vois beaucoup quand je sors en. T'as ressenti ça à la marche républicaine, franchement? Alors, on en reparlera tout à l'heure de toute façon de ça, mais t'as ressenti ça franchement quand tout le monde est inquiet, que tout le monde se méfie de tout le monde? Moi, j'étais à Valence, donc il y a eu une petite marche, etc., etc. On a pu sentir, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti personnellement, une tension qui était très palpable. C'est-à-dire que tout le monde a manifesté dans le silence et tout par rapport à Charlie, mais on sentait que il y avait les gens même se regardaient limite entre eux pour savoir limite si tout le monde faisait pas attention à tout le monde quoi. Et puis les gens même dans la rue qui étaient pas forcément à cette manifestation qui faisaient leur course ou X ou Y, on sentait que voilà, à un moment donné on est rentré dans une galerie marchande. On sent que les gens sont pas tranquilles. Voilà. Alors moi, je suis désolé parce qu'on voit quelque chose qui est par terre. Peut-être en Valence, mais pour Paris, j'ai pas ressenti ça. Peut-être sur Paris. Peut-être sur Paris, mais moi, de ce que je ressens, voilà, les gens. Moi, je suis dans un petit village. Mais je pense que c'est pas une histoire de tension. Je pense qu'ils ont été tellement choqués, effondrés par ce qui se passe, et maintenant qu'ils sont inquiets. Je pense que c'est plus de l'inquiétude et peut-être de l'émotion qui a pris le dessus. Mais je pense pas que c'était une tension et de la méfiance. Hein. Je crois pas que c'est ça. Hein. J'ai pas ressenti ça personnellement dimanche. Mais on en parlera tout à l'heure de la marche républicaine. On va essayer de faire les choses chronologiquement parlant parce qu'on va pas y arriver sinon. Donc oui, en fait, il s'est passé. Donc je vous rappelle par rapport aux musulmans. En fait, il y a que des musulmans pratiquants ou non ont été présents dans la foule le jeudi 8 janvier. Donc c'était la veille de Kacher, qui ont observé une minute de silence devant la mairie d'Aulny-sous-Bois. À l'appel de la municipalité et de nombreuses organisations, notamment musulmanes, Abderrahim Abid, qui avait 47 ans, il a dit « En tant que musulman, je suis très touché. Cela n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est de la barbarie, des voyous, des détraqués, des gens très éloignés de la religion. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Bien sûr. Voilà. Donc, comme vous dites, voilà. Effectivement, l'acte. Moi, c'est ce que j'ai dit personnellement sur le site de l'association. C'est pas la religion qui compte, c'est l'acte. L'acte de l'être humain. C'est-à-dire, pour moi, même si c'est un acte, notamment pour Koulibaly, même si c'est un acte antisémite, pour moi, c'est pas le fait que ce soit antisémite, c'est l'acte, voilà, le geste, c'est-à-dire le fait d'avoir pris des otages et les tuer. Voilà, c'est ça qui compte. C'est pas le côté religieux, tout ça. N'importe qui, n'importe quoi peut assassiner n'importe qui, n'importe quoi pour n'importe quel motif et complètement déphasé de, on va dire, moralement. Pour moi, c'est l'acte qui compte. C'est pas la religion. Moi, je trouve que c'est une excuse facile, je trouve, de parler de la religion. Et c'est pour ça qu'il faut pas que les musulmans soient inquiets parce que les musulmans n'ont rien fait. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que des actes comme ça, c'est vrai que c'est barbare, mais avec tout ce qui se passe, il fallait s'y attendre, hein, que ça arrive jusqu'à là. Hein. Avec tout ce qui se passe, le problème, voilà, c'est que. Par contre, là où je suis pas d'accord. Et là, je vais dire par rapport à François Hollande, c'est
qu'est-ce qu'il a été? Moi, ça, c'est mon opinion. Après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Alors, pour l'instant, chronologiquement parlant, on parle, ne brûle pas les étapes. J'espère qu'on a été toujours dans l'époque du deuil national. J'espère que t'as pas brûlé l'étape par rapport Par rapport à ça, l'intervention que François Hollande a fait par rapport à ça, par rapport aux attentats, je le trouve pas assez sincère. Ah, alors ça, on en parlera tout à l'heure parce que beaucoup de personnes se sont posées la question. On veut savoir s'il s'est pas servi de ça pour faire un coup politique. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure Y a peut-être un coup politique. Alors on en parlera tout à l'heure. On n'y est pas encore. Bon, par contre, il y a eu un autre politicien et pas rien parce qu'on a parlé. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur ça en disant que ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo est un 11 septembre français. Oui ou non? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, totalement. Ah, oui. Est-ce qu'on peut vraiment déclarer aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là? Bon, je tiens quand même à préciser que ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est beaucoup plus grave quand même, hein, parce que. Tout à fait, oui, bien sûr. Je sais pas si on doit aller jusqu'à dire que c'est un 11 septembre français, parce que, on n'a pas eu d'avion qui s'est écrasé sur la Tour Eiffel, par exemple, hein, donc, non, c'est ça que je veux dire, donc. Ce qu'ils ont voulu dire par là que c'était un 11 français, ça veut dire que les attentats sont possibles partout. Ça a commencé avec le 11 septembre 2001 aux États-Unis. La preuve maintenant, c'est en France. Où c'est que ça va s'arrêter? Moi, ce qui m'a touché le plus, c'est la solidarité des pays du monde. Alors, je pense que vous avez vu. Et maintenant, t'as vu que maintenant la Suisse, l'Allemagne et tout ça, c'est visé. Trop tôt. Alors, j'ai dit qu'on parle chronologiquement, sinon on va pas y arriver. Non, mais ça a été divulgué. Oui, mais on en parlera. Tout à l'heure, par rapport à ça. Chaque chose en son temps. Vous êtes par rapport à Obama. Obama qui est venu. Alors, il est venu à l'improviste, c'est-à-dire qu'il a fait une visite surprise à l'ambassade de France à Washington. Est-ce que vous avez lu ce qu'il a écrit exactement sur le livre d'or? Non. Alors, il a marqué ceci. Au nom de tous les Américains, je fais part aux Français de notre solidarité après cette terrible attaque terroriste à Paris. En tant qu'alliés à travers les siècles, nous sommes unis avec nos frères français pour nous assurer que justice soit faite. Nous avançons ensemble, convaincus de la terreur, que la terreur ne vaincra pas la liberté et les idéaux qui sont les nôtres, les idéaux qui illuminent le monde. Vive la France. Et vive la France, il a marqué en français d'ailleurs sur le livre d'or. Voilà, c'est bien, mais j'ai trouvé qu'Obama, depuis ce jour-là, il est où? On le voit pas. J'ai été très touché à ce qu'il a fait le 8 janvier, mais ce qui est bizarre, on l'a pas vu depuis. Ouais. On est menacé de guerre et Obama n'agit pas. Il est où? Il prépare sa campagne. C'est ce qui m'a choqué pendant les 10 jours, hein. Je vous dis franchement, hein, parce que, et même, il était même pas présent à la marche républicaine. Bon, ça, c'est, pourquoi pas, mais moi, c'est ce qui m'a frappé le plus, moi. C'est-à-dire que Obama, c'est notre premier allié et même le mieux concerné par rapport à ce qu'on a vécu par rapport au terrorisme. Pour nous, ils sont alliés, et puis on sait ce que, les Américains sont les mieux placés pour savoir ce qu'on ressent. Et ben non. Et puis finalement, on n'a aucun soutien d'Obama en disant que si on a une guerre terroriste et menace tout ça, et Obama n'a pas non plus condamné les menaces d'Al-Qaïda. Il faut pas l'oublier, ça. Moi personnellement, c'est ce qui m'a choqué. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais Il faut regarder sur internet ce qui par rapport à Obama, pourquoi on n'a pas de nouvelles, mais à mon avis, ça doit être par rapport aux campagnes qui sont en cours aux États-Unis. Enfin, moi personnellement, ils ont une campagne encore là, ils sont en campagne. Bon, je sais pas est-ce que vous avez un avis là-dessus, tranché, ou est-ce que vous avez un avis non? Non. Non. Après, c'est un peu bizarre en effet que du jour au lendemain, le président des États-Unis ne donne plus signe de vie, on va dire, entre parenthèses. Je pense que si vraiment tu te considères comme un allié et que tu respectes, on va dire, la liberté justement d'expression, tu soutiens un maximum. Donc c'est vrai que sa présence au moment de la marche de la marche, marche
Mais ça aurait été essentiel aurait été la bienvenue, bien sûr, tout à fait. Et ça aurait renforcé les liens en plus d'amitié entre franco-américaines. S'il y avait bien un président qui était le plus concerné et qui devait être présent, surtout, c'était bien lui. Voilà. Bien sûr, surtout en parlant d'attentats, quoi. Je veux dire, ils sont les premiers visés, donc ça aurait été bien. Mais vous trouvez ça normal qu'ils ne condamnent pas les propos d'Al-Qaïda pour des menaces de guerre contre la France ? Non, c'est à se demander justement si, je vais pas dire qu'il y a une coalition, mais intérieurement, ils alimentent pas aussi ce côté-là. Est-ce qu'il se dit pas si je condamne Al-Qaïda, Al-Qaïda va frapper les États-Unis? Oui, aussi. C'est peut-être pour. Ouais, non, mais ils ont pas besoin de ça pour être frappés. Regarde le 11 septembre, ils ont été tapés, ils ont rien demandé, quoi. Donc voilà. Je veux dire, il y a franchement pas besoin de dire des choses comme ça pour se dire oh non mon Dieu on va avoir des attentats. Non, ils ont franchement pas besoin de ça. D'accord. De mon point de vue à moi, bien sûr. Alors revenons sur. Alors on parle pas de double attentat ou tout ça. C'était un double assaut. Alors double assaut, ça s'est passé à 17h le 9 janvier contre justement l'imprimerie de Dammartin et le magasin cachère à la porte de Vincennes. Donc l'assaut a été donné un peu avant 17h à Dammartin Gouen. Les gendarmes d'élite du GIGN sont intervenus alors que les deux frères Kouachi, auteurs présumés de la tuerie de Charlie Hebdo, étaient retranchés dans une imprimerie de la zone industrielle de la ville. Auparavant, il y a eu quand même pas mal de... Voilà, il y avait les écoles qui étaient juste à côté, il y avait pas mal de... Ouais, Avant de donner les assauts, il y avait aussi... Ils ont évacué les écoles qui étaient autour, voilà. Oui. Alors, selon l'AFP, qui a dit pas mal de bêtises d'ailleurs ce jour-là, citant une source proche de l'enquête, les deux frères sont sortis du bâtiment en tirant avec leurs armes sur les forces de l'ordre. Donc c'est comme ça que ça s'est produit, comment les frères Kouachi... C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire c'est eux-mêmes. C'est pas la police qui est venue vers les Kouachi, c'est les Kouachi qui sont venus vers la police. Bah ils se sont comme ils étaient cernés automatiquement, bah... Non, je pense que c'était voulu finalement de mourir. Oui, ben, c'était dans leur mission. Ils n'avaient pas le choix. C'était dans leur mission. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que un des frères, shérif, ne voulait pas retourner en prison. Alors il s'est dit, à mon avis, comme je veux pas faire de la prison comme j'en ai déjà fait, on se rend, mais on n'a pas automatiquement, je pense que ça sera la mort absolue. Alors, les deux frères sont sortis du bâtiment en tirant donc avec leurs armes. Vous savez ce que c'est comme armes ? Les Kalachnikov. Ouais. C'est quand même hallucinant ce qu'ils avaient dans la main. Et puis ils avaient des bombes, ils avaient pas mal de trucs en leur possession aussi. Hein. Ah, ils avaient des Kalachnikov. Mais vous l'avez vu ? Des bazookas. Mais je sais pas si vous avez entendu quand même les au niveau sonore quand il y a eu l'assaut à Dammartin. Vous avez vu, il y a eu quand même. Je crois qu'il y a eu des bombes de lancer, hein, si je me trompe pas. Et puis des coups de feu au moins, je sais pas, à terre l'arigo. Ça a duré 5-10 minutes. En plus, ça s'est passé en deux fois. Apparemment, les assauts ont été. En 10 minutes d'intervalle. Oui, ils ont été donnés en même temps, pratiquement. C'est-à-dire 17h pour Dammartin et 17h10 pour Coulibaly. Enfin, contre Coulibaly. Donc, ils ont été rapidement tués. Ah, bah, c'est ce qui a été dit. Un membre du GIGN a été blessé dans l'opération, mais ses jours ne sont pas en danger, donc ça c'est la bonne nouvelle. L'otage a quant à lui été libéré. C'est pas un otage. Pour moi, le mot otage, on peut l'oublier. C'est pas un otage, c'est quelqu'un qui s'est caché. Il est sorti safe. Il est considéré comme un otage. Oui, c'est un otage, mais sachant que les Kouachi ne savaient pas qu'il y en avait un, donc c'est pour ça que c'est pas tellement un otage. Voilà, oui. il aurait échangé. Alors d'ailleurs, on va parler d'otage quand même, qu'il aurait échangé des SMS avec la police. Tout au long de la journée. Et au même moment, au niveau de la porte de Vincennes, donc le raid a donné l'assaut dans une supérette cachère de l'Est parisien, où une prise d'otage a eu lieu en début de journée. Ouais. Dès le début de journée. Normal, là, je parle de Coulibaly cette fois. Oui, Mais. Tu me dis Non, tu confonds avec Kouachi. Je parle de Coulibaly. Oui, il y a eu des prises d'otages, mais pas Kouachi. Les Kouachi, il n'y en avait pas. Il y a eu des détonations d'armes automatiques et des grenades. C'est bien ce qui me semblait assourdissant qui ont retenti lorsque les policiers sont entrés dans le supermarché. Outre le preneur d'otages, Amedi Coulibaly, déjà condamné à 5 ans de prison en décembre 2013, je sais pas si vous étiez au courant, l'assaut a fait 4 morts parmi les hommes retenus dans la supérette. Alors les 4 morts ont été morts dès le début, hein, c'est-à-dire depuis la prise d'otage. Hein. C'est pas à la fin, c'est pas lors de l'assaut, c'était dès le début, puis Coulibaly l'a bien dit au téléphone à BFM TV d'ailleurs.
Un doute aussi persiste aussi sur l'identité d'une des victimes. Donc c'est ce qu'on a sous, c'est ce que Lionel a dit tout à l'heure. Mmh. On avait un doute à ce moment-là, sur le jour de là, que l'une des victimes était un complice. En fait, après identification, c'en est pas un du tout. Donc je pense que finalement, après réflexion, le complice est en fuite. Oui. Mais apparemment, ils ont interpellé quelqu'un juste après l'attaque de l'épicerie. Alors justement, parlons-en de ces contacts de BFM TV envers les deux terroristes. Alors je vais vous dire un par, et après vous allez dire ce que vous en pensez. Donc les prises d'otages étaient en cours. Les prises d'otages étaient vraiment en cours quand BFM TV a été en contact téléphonique avec Chérif Kouachi, Adam Martin Gouel et aussi Amédi Koulibaly qui retenait des otages. Donc c'est en essayant de joindre à 10h du matin que des témoins dans l'imprimerie à Damartin où s'étaient retranchés Saïd et Chérif que le journaliste qui s'appelle Igor Saïri a été en contact avec celui qui est considéré comme le meneur de l'attaque contre l'hebdomadaire satirique. Alors Chérif Kouachi qui a affirmé à BFM TV avoir missionné et avoir été missionné et financé par Al-Qaïda du Yémen et avoir été formé par l'imam Anwar al-Awlaki qui est un prédicateur américain qui a vécu au Yémen, longtemps considéré comme une tête pensante d'Al-Qaïda et tué par un drone américain en septembre 2011. C'est marrant, c'est exactement au même moment, à 10 ans après d'ailleurs. 10 ans après l'attaque. L'attaque du 11 septembre. Donc lors de cet échange, il a revendiqué son geste en expliquant, il a dit ceci au téléphone à BFM TV, on est les défenseurs du prophète. D'ailleurs, pour Chérif Kouachi, les journalistes de Charlie Hebdo ont tué mercredi n'étaient pas les civils, mais des cibles. C'était volontaire pour Charlie Hebdo. Il a dit aussi ne pas vouloir tuer des femmes et des enfants, alors que il y a une femme de tuer au passage à Charlie Hebdo, je tiens à le rappeler, mais que les Occidentaux ont massacré en Irak et en Afghanistan. Donc finalement, il a justifié d'avoir tué une femme parce que les Occidentaux ont tué en Irak et en Afghanistan. Ouais. C'est ridicule. Enfin bref. Bah, donc, personnellement, moi, je pense que il y a une erreur politique là-dedans. Erreur politique, hein? Ah, ouais. C'est pas une erreur politique là. Bah, en fin de compte, il n'y aurait pas eu ces attaques. Je pense. Qu'est-ce que Charlie Hebdo, c'est pas politique, hein, je précise. Hein. Donc, Non, mais c'est pas par rapport à Charlie Hebdo. C'est au niveau politique, c'est que les attaques qu'il y a eu là, et ils l'ont bien spécifié, c'est qu'à mon avis, le problème, c'est que par rapport à François Hollande, une attaque, pourquoi il a été envoyé des soldats français en Irak, or que ça ne concernait pas. Bon, ça, c'est une autre question qui n'a rien à voir. Mais on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. C'est pas du tout le sujet. Oui, on remarque aussi ici, parce que ça revient un petit peu aux motivations de Kouachi, pourquoi il a tué Charlie Hebdo. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça n'a aucun rapport entre ce qui se passe à Charlie Hebdo et en Irak. Ça n'a aucun sens. Non. Donc, ça n'a aucun sens. De son côté, Amédi Koulibaly, qui est le terroriste de la porte de Vincennes, a contacté lui-même. Alors je me suis trompé, je croyais que c'était Kouachi. Non. C'était Koulibaly. Alors je m'excuse depuis tout à l'heure, c'est pas Kouachi, c'est Koulibaly, qui a contacté lui-même BFM TV vers 15h pendant la prise d'otage. Il disait vouloir entrer en contact avec la police. Le preneur d'otage de l'épicerie Kacher a affirmé au directeur adjoint de la rédaction de BFM TV, qui s'appelle Alexis Delahousse, s'être synchronisé pour le départ. Donc finalement, les deux événements se sont produits volontairement, c'est-à-dire entre Charlie Hebdo et aussi au départ, c'est-à-dire au tout départ, hein, la synchronisation date pas de Kacher, la synchronisation datait de Charlie Hebdo, hein, on est d'accord. Hein. Alors, il a dit aussi ceci, eux Charlie Hebdo, moi les policiers. Donc en fait, les victimes, ce que visait Koulibaly, c'était les policiers. Ce n'était pas encore les juifs. Ouais. Les policiers étant ceux de Montrouge et sur lesquels il a tiré donc le jeudi matin tuant une policière de 26 ans. Heureusement, ça n'a pas fait plus. Heureusement, mais ça aurait pu être pire quand même. Donc il a en revanche aussi affirmé appartenir non pas à Al-Qaïda mais à Daesh. Daesh, c'est encore autre chose. Hein. Oui, c'est l'attaque antisémite. Et suivre aussi les instructions du califat. Il a expliqué son geste en affirmant défendre les musulmans opprimés, notamment en Palestine, et choisi de s'en prendre à l'épicerie hyper cachère parce qu'il ciblait des juifs. Donc là aussi, c'est autre chose, volontaire, mais pour une autre raison. Donc Amédi Koulibaly s'est servi du téléphone fixe de l'épicerie pour passer un autre appel, semble-t-il, à un proche et à mal raccroché.
Son interlocuteur a donc contacté la police qui a pu entendre un long moment ce qui se passait à l'intérieur du magasin. Et ces informations sonores n'étaient pas distinctes, mais ont été précieuses pour les forces de l'ordre. Elles ont notamment entendu commencer à faire une prière, parce qu'en fait, Koulibaly a fait une prière. Et donc, ils ont pu l'entendre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'assaut à Cachar, avec cette prière. Et BFM TV aussi qui a attendu le dénouement. Donc la traque des auteurs présumés de l'attentat contre Charlie Hebdo s'est achevée dans le sang vendredi. Adam Martin Angouel, Shérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans, ont été tués en tentant de sortir en tirant pendant l'assaut. Quant à il y a l'otage qui a réussi à se mettre à l'abri et à être libéré indemne. Je crois qu'on félicitera pas BFM TV d'avoir dit, je crois en début d'après-midi, qu'il y avait quelqu'un caché dans une chambre froide. D'ailleurs, ça a été dit par par une famille d'otages, c'est ça. Il y a une personne qui l'a critiqué pendant le jour de la marche républicaine, si je me trompe pas, qui a critiqué BFM TV par rapport à l'erreur de BFM TV. Je m'en souviens très bien. Ils ont dénoncé ceci en disant vous avez fait une erreur. Elle a dit ceci, si je me trompe pas, ses propres paroles. Vous avez fait une erreur BFM TV en disant que si jamais le terroriste aurait entendu ça, eh bien il y aurait plus de morts. Ah bah. Voilà. En gros, il y avait un bébé de 8 mois. Hein. En plus, oui, qui est dans le frigo, hein, c'est-à-dire au sous-sol, qui a été sauvé finalement par le héros finalement de ça, oui, c'est la Sana Batili. Hein, donc on va en parler de la Sana Batili qui est en passe de devenir un héros. Il est, d'ailleurs aujourd'hui c'est le cas. Il va être naturalisé mardi d'ailleurs au passage, ouais. Il va être naturalisé français. Donc ce jeune employé de l'épicerie Cachère a été attaqué par Mehdi Koulibaly le 9 janvier et donc il a caché plusieurs clients, comme le rapporte BFM TV. Donc l'humanité face à la barbarie, et donc après un attentat perpétré par les frères Kouachi contre Charlie Hebdo, donc tout ça, les autorités ainsi que plusieurs célébrités ont appelé au calme. Parmi elles, Ayem ou encore Diam sont demandés à rester vigilants face aux amalgames. Ça, ce sont les personnalités. Diam, c'est la chanteuse qui est devenue juive. Je pense que vous êtes au courant. C'est trop facile quand les terroristes brandissent l'islam comme prétexte à leur rôle. Manuel Valls aussi ou François Hollande qui ont pour leur part appelé à l'unité de tous les Français. On en parlera tout à l'heure de ça. Ouais. Parmi l'horreur, un jeune homme donc est en train de devenir la personnification de ses idées. Il s'appelle donc Lassana Batili. Il est présenté en fait sur BFM TV comme malien musulman. Il est employé dans l'épicerie cachère attaquée, donc grâce à son courage, il a permis de plusieurs clients de se cacher et les a sûrement sauvés. Selon BFM TV, il aurait ainsi aidé jusqu'à 15 personnes. 15 personnes, c'est énorme, hein, à se mettre à l'abri. Il a dit ceci, Lassana Batili, il a dit « Quand ils sont descendus en courant, j'ai ouvert la porte du congélateur et il y a plusieurs personnes qui sont rentrées avec moi. J'ai éteint la lumière, j'ai éteint le congélateur. Quand j'ai éteint la chambre froide, je les ai mis dedans, j'ai fermé la porte. J'ai dit « Vous restez calme là, moi je vais sortir. » C'est-à-dire qu'il s'est quelque part un petit peu sacrifié, quelque part aussi. Mais ouais. Il s'est sacrifié pour eux, il s'est sacrifié en sortant de là pour éviter finalement de lever les soupçons à Koulibaly. D'ailleurs, Koulibaly est vraiment stupide aussi parce qu'il n'a pas été de lui-même au sous-sol. Il aurait très bien pu. Il aurait vraiment voulu. Il aurait fait le tour avant de. Alors en fait, il a 24 ans. Il aurait ensuite réussi à quitter le magasin grâce à un monte-charge. Il a été récupéré par les forces de l'ordre. Il a pu leur donner des détails précieux ce qui se passait à l'intérieur. Il a été d'ailleurs très humble. Aussi là, Lassana Batili en sortant en étant sauvé, il a expliqué seulement qu'à la fin de ce terrible événement, qui s'est soldé par la mort de 4 innocents, les clients sont venus me féliciter, me remercier, ils nous ont félicité. Donc bien sûr, c'est normal forcément d'avoir sauvé 15 personnes. On aurait pu s'attendre à pire quand même. Est-ce que vous avez quelque chose, un message à passer par rapport à son geste, par rapport à son courage? Est-ce que vous avez quelque chose à souligner à ce héros finalement, parce qu'on peut on peut vraiment parler de héros, hein, et il mérite ce titre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce geste et à sa façon de faire? Je pense que si vous étiez à sa place, vous feriez quoi? Bah disons qu'il a eu les tripes de le faire, parce que bon, il s'est quand même malgré tout mis en danger quand même pour sauver toutes ces personnes. Donc il n'avait pas hésité de mettre, on va dire, sa vie entre les mains des 15 personnes. Pour les sauver, donc parce que l'issue aurait pu être fatale s'il aurait été vu ou autre. Bon, ben il aurait pu y passer ainsi que les 15 personnes suivantes, quoi. Si vous étiez à sa place, est-ce que vous auriez eu le courage de faire le dixième de ce qu'il a fait? Moi, honnêtement, non.
Moi personnellement, je pense pas. J'aurais tellement pensé, été pris de terreur ou un truc comme ça que non, je pense pas. Après, on peut pas savoir, quoi. Je veux dire, un coup d'adrénaline, tu sais pas ce qui peut se passer. Mais honnêtement, non, je pense pas. Donc sur le moment, vous serez pris en otage, tu serais pris en otage, t'aurais pas fait du tout ce que la SANA a fait quelque part. C'est ça. Alors, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Je veux dire, j'aurais peut-être analysé la situation, voir comment éventuellement ça aurait pu se goupiller et tenter quelque chose. Oui. Mais après, je sais pas. C'est facile à dire comme ça, de dire ouais, je l'aurais fait sans problème et tout. Mais après, quand t'es face à la situation, tu sais pas comment tu peux réagir. Ah, après, oui. T'as l'adrénaline, t'as la peur. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc soit t'as un bon coup d'adrénaline et tu tentes le tout pour le tout, quitte à risquer ta vie, mais en risquant celle des autres aussi, puisque de toute façon, si tu te fais descendre, les autres se font descendre aussi. Donc après, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais sur l'instant T, non, je pense que oui, j'aurais plutôt fait canard qu'autre chose. J'ai pas honte de le dire, quoi. Voilà. Donc, tu aurais été dans cette situation, tu aurais été, on va dire, le raisonnable, on va dire. C'est-à-dire, voilà, j'aurais, au lieu d'agir la tête vide et de risquer le tout pour le tout, bon, quitte à analyser, j'aurais peut-être analysé un peu plus la situation, de peser aussi le pour et le contre, parce que c'est quand même une grosse responsabilité. Hein, parce que du moment où tu décides de sauver des gens, tu mets dans des situations comme ça, tu mets ta vie en jeu plus celle des personnes. Donc c'est quand même une grosse responsabilité sur les épaules, quoi. Un énorme aussi coup de cœur, on va dire, une énorme salutation aux survivants de Charlie Hebdo qui ont eu le courage de faire de publier le Charlie Hebdo de cette semaine. Hein. Oui. Ils ont quand même eu le courage et la force de sortir, de publier cette semaine, c'est fort quand même. D'ailleurs, il faut le. Bah, je pense que c'est plus pour un hommage à. C'est un hommage, à ceux qui sont partis, quoi. Hein, ouais. Donc. Ça voilà, dur, hein. Ils ont pas baissé les bras et pour leur mémoire, ils ont continué. Et puis voilà, quoi. Je trouve que c'est super. Par contre, je vais pas dire la petite critique que je pourrais, c'est pas vraiment une critique que je vais affirmer, c'est juste que voilà, par rapport à la première page du Charlie Hebdo, le spécial, je pense pas qu'ils auraient dû mettre Mahomet encore. On en parlera tout à l'heure, chronologiquement. Parce que ça peut, Charlie Hebdo. Ça, c'est bien déjà de faire un spécial comme ça, mais je pense qu'ils auraient dû mettre. Ils auraient dû mettre autre chose parce que Mahomet, ça va peut-être recréer. D'accord. Bon, suite à ce qui s'est passé par rapport à voilà entre Charlie Hebdo, Cacher, tout ça, vous savez qu'il y a eu l'allocution de François Hollande le vendredi 9 janvier au soir, qui a donc demandé aux Français une triple priorité. Donc d'abord la vigilance. L'unité nationale. Alors ça, c'est un petit peu la grosse critique qu'on a en ce moment. Et il y a aussi, alors la vigilance, l'unité et aussi la mobilisation. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est les trois demandes de François Hollande. Je peux vous faire vite fait ce qu'il a dit. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il a dit la France, même si elle est consciente d'avoir fait face, même si elle sait qu'elle peut disposer avec les forces de sécurité d'hommes et de femmes capables de bravoure, la France, elle n'en a pas terminé avec les menaces dont elle est la cible. Alors je veux vous appeler à la vigilance, à l'unité et à la mobilisation. La vigilance, c'est d'abord à l'État d'en faire la démonstration. C'est ce qu'il a fait effectivement. Et avec le Premier ministre, avec la mobilisation, il a tenu sa promesse en tout cas. Avec le Premier ministre, j'ai encore renforcé les moyens pour protéger nos lieux publics, pour faire en sorte que nous puissions vivre tranquillement. Ensuite, pour l'unité, je vous appelle aussi à l'unité car je l'avais exprimé devant les Français, c'est notre meilleure arme. Nous devons démontrer notre détermination à lutter contre tout ce qui pourrait nous diviser et d'abord être implacable contre le racisme et l'antisémitisme car aujourd'hui dans ce magasin Kacher, c'est un acte antisémite effroyable qui a été commis. Donc c'est ce qu'il a dit sur l'unité. Concernant la mobilisation, il a dit « Nous devons être capables de répondre aux attaques par la force, mais également par la solidarité. Cette solidarité, nous devons en montrer
toute efficacité. Nous sommes un peuple libre qui ne cède à aucune pression, qui n'a pas peur, parce que nous portons un idéal qui est plus grand que nous, et nous sommes capables de le défendre partout où la paix est menacée. Et je veux encore une fois saluer nos soldats qui font en sorte que nous prenions nos responsabilités face au terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez de son allocution ? Oui. C'est pas mal, mais par contre, je vais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu soupçonnes, on va dire, c'est ton avis personnel. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Franchement, moi, je donne mon avis. Après, je suis pas d'accord avec toi parce que sinon, mais il y en a plein effectivement comme toi, parce que t'étais pas le seul qui s'imagine, qui se sert finalement de cette tout ce qui s'est passé, l'attentat, tout ça, finalement pour regagner des points de confiance, on va dire. C'est ça que je. Ouais. C'est en gros ce qui est soupçonné. C'est pas par rapport à ça, c'est que personnellement, mon idée, ce que je pense, et ça, c'est simplement mon idée. Après, les gens sont d'accord avec moi ou sont pas d'accord avec moi, ça, je le conçois totalement. Ce que je dis, c'est simplement que il y a des choses, il y a des conflits, des guerres qui se passent dans des pays autres qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne, je vois pas pourquoi la France a été envoyée des soldats français en Irak. Or qu'au départ, quel est le rapport a à voir avec les États-Unis. Quel est le rapport avec Charlie Hebdo d'abord? Le problème. Charlie Hebdo, c'est pas l'Irak, hein, je tiens à te le dire, mais bon. Non. Bon, pour Charlie Hebdo, c'est simplement par rapport à la caricature qu'il avait faite des prophètes de Mahomet et tout ça. Alors ça attention, c'est pour ça qu'il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est Mahomet, c'est-à-dire la caricature de Mahomet sur Charlie Hebdo. On est d'accord. Kacher, c'est antisémite. Donc c'est et en plus c'est même pas Al-Qaïda. Et en plus c'est même pas Al-Qaïda. C'est pas Al-Qaïda, c'est-à-dire qu'on est doublement menacé en France. Il faut pas l'oublier. On a une double menace. C'est clair, net et précis. On a la menace Al-Qaïda et la menace Daesh. Ouais. Je pense que vous l'aviez bien compris, on a bien saisi le truc. Moi, ce que je dis simplement, c'est que le problème qu'il y a eu, c'est que François Hollande a envoyé des soldats français en Irak, or qu'au départ, ça ne nous concernait pas. Il y a d'autres choses qui sont prioritaires en France. Qu'est-ce qui va se mêler? Là, je ne suis pas convaincu que maintenant. Il va se mêler des histoires qui se passent hors France et Union européenne. Alors, il est là. Et qu'est-ce qu'on doit dire dans ce cas auparavant de Nicolas Sarkozy qui a envoyé des soldats en Tunisie? Mais ça ne nous concernait pas aussi. Qu'est-ce qu'ils ont à se. Si ça le concernait parce qu'il était président de l'Union européenne. C'est pas. Mais Nicolas Sarkozy, il a envoyé des. C'est comme tous les. C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas leur fonctionnement en disant. Les pays. Et en plus, ils font pas partie de l'Union européenne. Pourquoi on va intégrer l'Union européenne dans des pays qui nous concernent pas? Dans ce cas, quel est le but? Alors, je tiens à te rappeler qu'on a quand même des pays d'origine française en Afrique. Je tiens à te le rappeler. Oui, ça, je suis d'accord. D'une part, on a des Français qui sont là-bas. Ça, c'est déjà le point. Est-ce que t'as oublié aussi un point essentiel, c'est qu'il y a eu des otages? En Afrique, des otages français, des journalistes qui ont été. Tu crois que c'est normal ça? Tu crois que c'est normal de menacer les Français en prenant en otage des journalistes? Non. Mais pourtant c'est ça le problème. Je suis d'accord, mais pourquoi il? Parce alors, que alors à ce compte-là, la France, les journalistes. Alors pourquoi les journalistes français se mettent en plein centre? Mais des conflits. Mais ils se mettent pas au bout des conflits. Ils ont été pris en otage. Ils étaient en plein centre des conflits. Ils ont été pris en otage par surprise. C'est même pas une prise en otage volontaire. C'est une prise en otage surprise. Et la France a été concernée suite à toutes ces prises d'otages, des menaces qui ont été pendant des années. Heureusement, merci, les otages ont été libérés. Heureusement, l'année dernière, ils ont été libérés. Alléluia. Mais ce que je veux dire par là, en Irak, il y en a encore. Il n'y a pas d'otages en Irak. Je parle. Il y a eu je me rappelle plus des pays. Je crois qu'il y a eu la Libye, si je me trompe pas. Il y a eu la Syrie. Il y a eu. Je crois qu'il y a eu la Syrie, la Libye, la Tunisie. Enfin, c'est un peu compliqué. Il y a eu des otages français, des journalistes, notamment des journalistes qui ont été retenus pendant des années, qui ont été libérés. Et tu crois que la France n'est pas concernée pour ça?
Tu crois que c'est normal ça de prendre de menacer la France en prenant des innocents qui n'ont rien fait de mal? Non, mais à ce compte-là, je pense, et moi je c'est simplement mon opinion, après voilà, je dis ça, c'est les risques du métier aussi. Le problème, c'est qu'ils veulent couvrir tellement de trucs, que ça soit les journalistes, les politiques ou tout ça, ils veulent couvrir leur image et se mettre dans des conflits qui forcément. Mais les conflits, c'est pas nous qui les cherchons. Mais les conflits, c'est pas nous qui les provoquons. Non. C'est pas nous qui les avons cherchés. C'est pas nous. Est-ce qu'on les a demandé ces conflits? Non. Bah imagine alors. François Hollande, il aurait pas été président. Tu crois qu'il aurait été? Ça aurait été un autre président. Oui, un autre président. Tu crois qu'il aurait fait quoi? Tu as une menace d'un autre pays qui prend en otage des Français, des citoyens français. Qu'est-ce que le président de la République va faire? Il va pas tourner les pouces et laisser passer ça. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous pensez que le plan Vigipirate a été pour vous exemplaire? Non. Pour moi, non. Est-ce que vous pensez alors d'aujourd'hui que le plan que Vigipirate, je rappelle qu'on est en mode depuis 4 ans quand même. Non, le mode attentat, c'est depuis mercredi, c'est pas non, le mode depuis 4 mais ans. Mais bon, nous sommes au maximum. Le plan Vigipirate. Oui, mais ils ont été mis en place quand? C'est la première fois qu'on est au maximum du plan Vigipirate. On est en zone rouge. Mais avant, les plans Vigipirate, ils ont été mis depuis quand? Mais non, je parle de la vigilance attentat. La vigilance attentat a été mise depuis le jour de Charlie Hebdo. Oui. Donc oui ou non pour vous, la vigilance attentat qui est là que depuis mercredi, n'est pas là depuis 4 ans, je sais pas ce que tu me racontes comme bêtise. La vigilance attentat, est-ce que oui ou non vous pouvez, est-ce que vous pensez que c'est est-ce que c'est à la hauteur de l'espérance des Français le Vigipirate qu'on a en ce moment? Est-ce qu'on est assez sécurisé pour vous? C'est pas suffisant. Oui. Est-ce que pour vous on est vraiment en sécurité par rapport à ça? Vas-y André. Est-ce qu'il faut obligatoirement attendre les attentats pour le sortir? Non. Je suis désolé. Parce que est-ce qu'ils n'auraient pas dû le faire quand il y a eu les attaques sur les marchés à Noël? C'est une bonne question. Voilà, c'est ça que on sait de toute façon qu'on est menacé. Quoi qu'il en soit, on le sait. Pourquoi attendre le moment T, que ça pète et qu'il y ait des morts, alors que c'est un truc qu'on peut prendre les devants? Ben, il y a quelque chose que moi je comprends pas. Dans la vigilance attentat, il y a l'armée qui est concernée. Et l'armée est où en ce moment? Tu les vois se balader avec les armes, en renforcement avec les policiers. Je suis désolé, je suis parti le week-end dernier à Valence, alors qu'il y avait la manif, tout ça, donc on était encore en vigilance Vigipirate, je n'ai vu aucun militaire. C'est ce qui me semblait, moi, parce que j'ai pas vu. Sur Bordeaux, depuis qu'il y a eu, et c'est vrai qu'ils ont renforcé les forces de police avec des militaires. Oui, mais la police, il n'y a pas de problème. Depuis qu'il y a eu l'attentat, ça marche qu'à Paris et en Picardie. Le reste, c'est au préfet de le demander. Si le préfet ne le demande pas, D'ailleurs, juste une précision, ça tombe bien qu'on parle de ça. Franchement, un énorme chapeau sur le travail des policiers, des gendarmes et aussi de la sécurité. Franchement, pour tout ce qu'ils ont fait la semaine dernière, c'est très fort. Par contre, là où je me pose des questions, c'est où est l'armée? Mais l'armée, on est en vigilance, attentat. Enfin, dans la région PACA, à Marseille, personne. Valence, dans la Drôme, personne. Tu prends Montpellier, personne. Toutes les grandes villes qui sont vraiment concernées par le plan Vigipirate, parce que bon, je dis les grandes villes, parce que généralement on vise les grandes villes, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait un militaire sur place. C'est ça qui m'embête. Marseille, il n'y a pas eu de militaire. Il y en a toujours pas. Il y a des militaires, mais c'est. Et non. Moi, je l'ai vu sur Bordeaux. Je l'ai vu encore cette semaine. Non, mais il n'y a pas un militaire qui existe parmi la France quand même. Non, mais. Chaque policier qui se balade dans les villes, oui, maintenant, vont être renforcés de 3 militaires. Je sais que normalement, les militaires... 3 de l'armée. Les militaires sont là, normalement, dans les gares, normalement, ça c'est sûr. Les gares, les centres commerciaux... Centres commerciaux, il n'y en a pas, chez nous. Ils se baladent, et tu verras... Dans les aéroports, je pense aussi. Dans les aéroports, dans les gares, dans les métros...
dans les centres commerciaux, dans les banques. Ah ouais, mais alors dans ce cas, on est d'accord, l'armée est donc dans des trucs ciblés, c'est-à-dire dans tout ce qui est transport. Voilà. Est-ce que pour autant les citoyens sont protégés? Non. Non, les citoyens ne sont pas protégés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, je l'ai vu encore cette semaine sur la police de Bordeaux, les CRS sont en renfort. Je tiens à préciser aussi que la vigilance, le vigipirate dans les transports, c'est bien, ça existe bien avant qu'on soit en mode attentat. Oui, oui. Donc c'est quand même. Ce que je comprends pas, c'est quelle est la différence entre celle qu'on a eue, c'est-à-dire la zone qu'on a eue avant et la zone d'attentat. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est ça que je comprends pas. J'ai pas l'impression qu'on est encore plus en sécurité. Bah la sécurité, le problème, c'est que. Ce sentiment en tout cas. Le problème, ce qui se passe, et ça, c'est mon opinion, je le dis. Plus tu vas renforcer la sécurité en mettant des militaires avec des policiers, plus les citoyens vont craindre. Est-ce que franchement vous l'avez senti la différence, oui ou non, par rapport au vigipirate qu'on a eu avant et le fait depuis qu'on est en mode attentat? Non, pas du tout. Non, pour moi c'était pareil. C'est ça que je comprends. Vous comprenez ça en fait? Il n'y a aucune différence. Je veux dire, on voit pas plus les militaires quand il y a un plan vigipirate classique que quand il y a un plan vigipirate spécial attentat, nanani, nana. Ils sont pareils. On les voit coup-ci, coup-ça. Je veux dire, il y a quand même des coins dans des grandes villes qui sont assez stratégiques quand même. Pour pouvoir attaquer ou quoi que ce soit, mais ils sont pas à ces endroits-là. Ils sont de partout, là où c'est peu probable que ça attaque, quoi. Est-ce que vous avez ressenti le renforcement, par contre, des interventions policières, oui ou non? Je peux te dire que les interventions. Les flics, oui, ça, pour les voir, on les voit. Hein. Ça, tu les pas vois. Soucis, hein. Ils tournent en ville. Ils tournent partout avec un camion de CRS autour. Bon, c'est déjà pas mal. Mais ça veut dire que ça n'empêche pas que les contrôles sont renforcés. Après, je sais que sur Valence, ça tourne. Veut dire que finalement, tout le travail, ça veut dire que le plus gros du travail, c'est la police qui le fait, quoi. Voilà. C'est ça que ça veut dire finalement. Mais il y a des CRS quand même. L'armée tourne pouce en ce moment. C'est ça que ça veut dire. Bah, en gros, ils sont présents. Il y en a, ils sont présents. Mais s'il y a une attaque, si par exemple t'as un police, c'est comme j'ai vu. C'est mardi, dans la semaine, j'étais sur la gare. T'as un policier qui se balade pour deux militaires. Mmh. Imagine qu'il y en a un qui arrive à la gare, qui est un petit peu, je vais dire, c'est méchant à dire, mais qui est un petit peu fêlé dans le cerveau. Oula. Oui. Ça, c'est de la liberté d'expression, ça. Qui l'empêche de buter le flic? C'est ce qu'on appelle un acte de fanatisme. Voilà, c'est on en non, parlera. Mais, voilà. Non, mais après, si c'est ça. Non, mais le fanatisme, c'est ça. C'est quelqu'un qui est complètement déraisonné moralement et qui tue une personne comme ça par folie, on va dire. Qu'est-ce que les deux militaires vont pouvoir faire de plus? Protéger les citoyens. Bah, c'est tout. Ouais, c'est tout ce qu'on demande. Ils sont là, mais ils ont tête. Ils sont armés. D'accord. Parce que c'est normal à l'heure d'aujourd'hui que la police doit faire quelque part les 90% de la vigilance. Mais je suis. C'est pas normal ça. Je suis pas d'accord. D'accord là-dessus. Mais faut pas que les policiers outrepassent leurs droits non plus. Non, mais ça, c'est pas du tout la question que j'ai posée. Alors, autour pas sur leurs droits, ça c'est une. J'ai vu ce que j'ai vu hier matin, je vais pas en parler. Non, mais. Quand on entend, comme hier matin, au niveau de la police, il y en avait deux quand on est rentré au commissariat. Oui. Qui étaient devant. Et ils étaient en train de discuter. Mais. Ils étaient en train de se dire. Par contre, qu'est-ce que leur sécurité va apporter de plus? Il y a une chose que au contraire, ils sont en train de faire de la crainte. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. On était hier matin au commissariat de police de Bordeaux. Il y a eu deux personnes à l'entrée. Oui. T'avais deux policiers qui. Oui, ça c'est très sympa comme oui. Je sais pas ce que c'était, mais c'était très original au niveau sonore d'ailleurs. C'était un téléphone. Donc je précise, il y a eu deux personnes qui étaient à l'entrée pour surveiller tout ça. Je me suis posé la question, mais ils servent à quoi? Il y a même pas de fouillage, il y a même pas d'identification, de contrôle d'identité. Quand tu regardes les épisodes de Julie Lescaut, tu verras que dans tous les commissariats, il y a toujours deux flics devant. Oui, mais on se demande pourquoi.
Parce voilà. qu'ils sont là, ils regardent, le paysage. Mais le problème, c'est qu'en plus, les deux étaient en train de discuter. Il y en a un qui est rentré dans le commissariat pour aller chercher un café. Ah oui, bien, c'est pas mal. Entre temps, il aurait pu très bien avoir un homme qui aurait pu rentrer. Le flic, il pouvait pas savoir s'il était armé ou pas. Ah, imagine, il aurait été armé. Il rentrait dans le commissariat comme s'il de rien n'était. C'est pas ça, mais je me suis dit, sachant qu'on est en vigilance attentat, moi je me suis dit que ces deux personnes qui sont à l'entrée doivent fouiller, pas fouiller au corps, mais au moins une vérification d'identité. Passer un détecteur de métaux, ça suffit. Oui, aussi les détecteurs de métaux. Comme, plus, oui, bien sûr, vérifier s'il n'y a pas d'armes, je sais pas quoi. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils étaient en train ils étaient dans le coin, ils étaient même pas à l'entrée, ils étaient sur le côté en train de discuter, comme des poteaux. Maintenant, vous savez à quoi servent nos forces de police. Ils servent. Je sais pas si on peut appeler force. Hein. Bah, non, mais bon. Oui. De dire ça. Mais oui. Franchement, de renforcer. Et ils ont voulu de la liberté de penser, j'en ai dit. Hein. Bref. De actes, d'accord, contre les attentats qu'il y a eu là. D'accord, je suis d'accord. Ça aurait jamais dû arriver. Personnellement, ça aurait jamais dû arriver. Mm-hmm. Parce que il y a un mauvais. Il y a un mauvais fonctionnement. Ah oui, mais en tout cas, je me sens pas en vigilance attentat. C'est ça que je suis en train de me dire. Le contrôle policier n'est pas fait, n'est pas appliqué comme il. Quand ils s'engagent, ils ont l'engagement de protéger les citoyens. Mmh. Or, tu les vois, ils préfèrent embêter. Et même agresser les citoyens, parce que tellement ils sont surbookés de travail, ils agressent aussi les citoyens quand on porte plainte. Mais le problème, ils disent qu'ils veulent respecter la loi, or c'est les premiers à la bafouer complète. Oui. Mais bon, ce que je veux dire, ce compte-là, je sais pas, si tu fais l'engagement de protéger des citoyens, ne va pas embêter. Ceux qui. Parce que quand ils font des contrôles, lesquels qu'ils vont viser. Où c'est que tu les as vus, les contrôles? Non, mais quand ils font des contrôles. Des contrôles d'identité. C'est ça que je comprends pas. Il y a un gros point noir, c'est qu'on est quand même en vigilance, vigipirate, le point le plus fort. Ouais. Il est censé y avoir des contrôles d'identité quand même à des points stratégiques, comme les aéroports, etc. Et il n'y a rien du tout. Et il n'y en a pas. C'est là que je comprends pas. C'est quand même énorme, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que quand tu demandes, y a-t-il une différence? Non, il y en a pas. Parce que déjà, quand c'est un plan Vigipirate classique, il y a même pas un contrôle d'identité qui se fait. Alors, en plus d'un attentat, faut pas rêver, quoi. Pas qu'ils se fatiguent trop à vérifier les identités non plus, quoi. Et quand ils font des contrôles d'identité, les premiers qui vont emmerder, en parlant poliment, c'est qui? C'est les sans domicile fixe? Non mais là c'est encore autre chose. Quand ils font des contrôles, c'est des sans domicile fixe. Non mais là en mode attentat, c'est pas les sans domicile fixe qui sont les terroristes. Il faut pas non plus exagérer. C'est pas ça. Ils préfèrent embêter les minorités au lieu de. Ça c'est pas faux. Ça je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord effectivement. Les minorités ça les dérange. Ça je l'ai remarqué aussi. Ça c'est dérange. Mais à ce compte-là. Ça je suis d'accord avec toi. Par contre, je suis très très fâché avec moi, c'est qu'on met finalement un énorme honneur sur la police qui finalement ne font leur travail à moitié. Ils ont effectivement été exemplaires pendant les 3 jours d'attentat. Ouais. Aujourd'hui, ils font maintenant l'inverse, c'est-à-dire que maintenant on est en mode attentat. Ils sont censés protéger les citoyens tout ça et finalement on n'a pas. Pour moi, je ne sens pas protégé. Moi, C'est sûr qu'ils ont été très présents pendant ces 3 jours d'attentat, y compris les secours, tout ça. Donc, je parle des pompiers, du SAMU, la Croix-Rouge, la protection civile qui était aussi. Toutes ces personnes, voilà, un grand chapeau quand même à eux. Mais il faut pas qu'ils oublient aussi, surtout au niveau des forces de l'ordre, qu'il y a un après-attentat. Je veux dire, l'attentat a eu lieu, c'est bien, les mecs ont été descendus, ok, pas de souci. Mais faut penser qu'il faut pas s'endormir sur ses lauriers, qu'il faut quand même continuer à surveiller les points stratégiques qui peuvent être visés, tout en faisant ces contrôles, quoi. Je veux dire, ça mange pas de pain, quoi. Je veux dire, pour nous casser les pieds plus que ce qu'on nous les casse déjà,
ben oui, ben tu vas nous prendre encore 5 minutes pour nous contrôler notre identité. Ben vas-y, contrôle quoi, je veux dire. Mais faites voir que on peut se sentir en sécurité. C'est ça. Actuellement, ce n'est pas le cas. Non, pour moi, donc on ressent la même chose. C'est pas. Max et Cédric sont là. Est-ce que vous ressentez la même chose? Parce qu'on vous entend pas beaucoup aujourd'hui. Désolé, j'étais parti au lapin. Alors le lapin, c'est pas grave, c'est un truc qu'on en parlera. Est-ce que tu ressens la même chose? Niveau sécurité. La même chose de quoi? Ah d'accord. Est-ce qu'à l'heure actuelle tu te sens en sécurité? Ah pas vraiment. Est-ce que tu trouves que la vigilance attentat tient ses promesses? La vigilance attentat, la vigilance. Le plan vigipirate. Comment on peut dire ça? On va dire oui et non. D'accord. Oui. Sur certains points, on va dire sur certains points. D'accord. Moi, j'ai sur la poste, c'est quand jeudi, pour les retirer un colis. Ils avaient bloqué le tourniquet pour récupérer les colis et je sais plus quoi était bloqué aussi sur à la poste pour soi-disant le plan Vigipirate. Ils avaient bloqué des trucs dans la poste aussi. D'accord. Bon, pour un colis piégé, oui, bon, ça c'est sûr que j'espère qu'ils font le nécessaire pour vous protéger les gens quand même. Je suis désolé, mais là je vais parler budget. On donne un certain nombre par rapport à la sécurité. Alors, c'est à la défense, ça je crois. Au niveau de la défense, on donne un certain budget pour renforcer la sécurité de tout ça. Mais la sécurité, elle est où? Et je vais parler au niveau de la France en général, parce que s'il y avait vraiment une sécurité au niveau de la France, les attentats et le terrorisme en France, je suis désolé. Bon, il y a les armes qu'il y a en France, je suis désolé. Ça aurait jamais dû arriver. Alors déjà, il y a deux problèmes. Bon, déjà, vous savez qu'il y a une révision de budget. Comment il y a des armes en circulation? Il y a une révision de budget de la défense qui est en cours de réflexion. Je pense que vous êtes au courant. Ils vont augmenter les. Je pense qu'il y a une autre question qui se pose et c'est pas les moindres. Est-ce qu'on a assez d'hommes pour nous défendre? Alors justement, il y a une question qui a été qui circule un petit peu sur les réseaux sociaux aussi. C'est la question est doit-on remettre le service militaire? Obligatoire, tu vas dire. Obligatoire. D'accord. Moi, je dis que oui, de toute façon. Mais ça va changer quoi? Mais il faut, je suis désolé. On manque cruellement d'hommes. L'armée de terre recrute, la marine recrute, tout le monde recrute. Je veux dire, maintenant, il y a un truc où moi je comprends pas, c'est qu'il y a des personnes qui sont volontaires, qui demanderaient que ça, et on t'oblige un critère de sélection. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, t'as 30 balais, eh ben tu peux pas rentrer dans l'armée. Tu peux plus t'engager. C'est ça qui me rend dingue, parce qu'à 30 balais, c'est limite si tu sers à rien quoi. Même à 26 ans. Alors que pourtant t'es plus à même qu'un jeune de 18 ans qui va rentrer pour son service militaire. Alors, il recrute des volontaires, 18, mais ce que je comprends pas, c'est qu'on a des spots télévisés qui recrutent des volontaires. Il n'y a pas marqué de critères d'âge, je crois. Il n'y a pas marqué de critères d'âge, mais quand toi tu y vas, à la base militaire pour dire bon ben voilà, je voudrais des informations pour éventuellement m'enrôler, eh ben tu verras que ben vous avez quel âge? 30 ans. Au revoir, monsieur. Ah ben déjà dépassé 25 ans, tu peux plus. Voilà, donc c'est ça qui est dingue. Je veux dire, qu'est-ce qui ça fait d'avoir 18 ans ou d'avoir 25 ans, même, admettons? C'est quoi la différence pour pouvoir t'enrôler dans l'armée? Je veux te dire, moi demain on me dit vous rentrez à l'armée de terre, mais je signe de suite. Ah bah oui. Moi je signe de suite, je suis désolé. Même on me dit, ben on vous parce que faut quand même savoir qu'on est volontaire, hein, quoi qu'il en soit, en temps de guerre, si jamais on vient rentrer dans une guerre. Moi je suis le premier à signer, il n'y a pas de souci. Je veux dire, t'es là pour défendre ton pays, t'es merde quoi, je veux dire. Ils ont besoin de soldats, c'est pas les hommes qui manquent, je veux dire, envoyez quoi, je veux dire, bon, voilà, ceux qui sont encore dans la force de l'âge quoi, je veux dire. On est plus de, je sais pas combien de millions de Français. 66, mais tu enlèves les 20 millions d'enfants, bien sûr, tu enlèves aussi les personnes âgées. On est 30 000. Et tu peux pas défendre ton pays parce que t'as 30 balais? C'est débile.
C'est débile. Tu peux pas, tu peux pas défendre ton pays parce que t'as 30 ans, donc tu peux pas rentrer dans l'armée. Mais c'est débile. Moi, je trouve ça débile. Mais moi, je sais qu'il y a, il y a un peu plus de... Oh, 10 millions de possibilités, on va dire, pour moi. Je pense qu'il y a 10 millions. Il y a un peu plus de 12-13 ans en arrière, j'ai voulu m'engager à l'armée. Ah bon, oui, je la prends, oui. Je vais sur mes 35 ans. Tu remontes à 12 ans en arrière. J'avais 20... j'aurais très bien pu rentrer. Mais comme par hasard, j'ai passé les tests et tout ça. Mais comme par hasard, j'ai jamais réussi les tests. Or que j'avais pratiquement. Je crois que ton problème, et je suis obligé de te lire, il y avait une histoire de taille. Mais à ce compte-là. Ah, mais il y a la taille. Mais qu'est-ce que la taille compte? Ah, mais la taille. Tu t'engages pour ton pays, qu'est-ce que la taille vient foutre là-dedans? Mais tu te débrouilles avec l'armée. Hein. Moi, j'ai voulu, à 18 ans, j'ai fait ma journée d'appel à la défense, hein, puisque c'était comme ça à ce moment-là. Mmh. Et je m'en rappellerai toujours, ça s'est passé à la base militaire de Orange. Et j'ai eu le grand Manitou de cette caserne-là, qui nous a, après les tests et tout ça, qui nous a posé une feuille sur les bureaux. C'était une feuille d'engagement. Et si tu voulais t'engager ou pas. Et j'avoue que moi, pendant tous les tests qu'il y avait, j'ai dit, je veux m'engager. J'ai dit, j'ai envie, je veux y aller. J'avouerai que quand j'ai eu la feuille d'engagement, je l'ai pas signée. D'accord. Et maintenant, je m'en mords les doigts. D'accord. Ah, tu peux pas revenir en arrière, c'est ça que tu veux dire. Ah non, voilà. D'accord. Mais c'est ça qui est malheureux. C'est que même que t'es 18 ans ou même 25, 30 ans, je veux dire, même moi je me sens capable, quoi. Je veux dire, bon, je vais pas te dire que je vais aller du jour au lendemain fusiller ou je ne sais quoi dans un autre pays. Mais je suis à même de suivre l'entraînement et de devenir même ne serait-ce qu'un petit soldat au plus bas de l'échelle, quoi, je veux dire. Tout le monde est capable, quoi, je veux dire. Tenir un flammasse dans les mains, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Bah, la preuve, quand tu vois dans des quartiers, et là, c'est bête à dire, dans des quartiers dits à risque. Oui, les UP. Voilà. Des enfants de 8 ans qui sont déjà avec des armes. Mmh. Tu crois que ça, c'est normal? Ah non, du tout, non. Et après, on va dire, mais ils veulent, la France veut lutter contre le terrorisme, mais pourquoi ils laissent venir en France des armes? Alors ça, c'est une autre question. Alors, je sais pas comment les armes sont voilà, peut-être qu'ils devraient aussi refaire une loi aussi sur les ports d'armes, parce que... Et après, c'est un peu bizarre, ça aussi. Hein. Et après, la police vient t'emmerder parce que t'as un port d'armes légal. T'as pas besoin de gueuler, hein, on est pas sourd. Hein. Ils viennent te faire chier en te disant, mais vous avez pas le droit. Vous avez pas le droit d'avoir d'armes. J'ai un port d'armes qui est certifié. Alors, pourquoi j'ai un port d'armes et que j'ai pas le droit d'avoir d'armes? Bah parce que avec ce qui se passe, t'as pas intérêt d'avoir. Enfin bref. Ben, je suis désolé. Moi, je sais pas d'où tu sors ça, mais bon, c'est pas grave. Je suis désolé, mais moi, demain, on vient m'agresser. Ah avec oui, alors. Une arme, je suis désolé, chez moi, si je veux, tu vois, pour ma propre sécurité, puisque on dit que les flics qui sont là pour notre sécurité des citoyens, or. Les seules choses qu'ils savent faire, c'est contrôler des gens qui n'ont rien demandé à la vie, qui n'ont rien demandé, qui se décarcassent à bosser. Mmh. Et tout ça, et qu'on s'amuse à leur brûler leur voiture, à leur dévaliser leur baraque, je suis désolé, comment veux-tu pas qu'eux, ils s'arment? Je suis désolé. Moi, demain, on me dit. Tu peux pas faire plus simple dans tes phrases, parce que plus ça va, plus moi je comprends. Ah non, mais on peut partir sur un débat. Oui. Et ben moi, je te le donne le débat. Oui, mais moi, il faudrait que je comprenne ton débat, parce que. Le problème, c'est que moi, si demain je me sens pas en sécurité, je préfère avoir une arme à la maison et me défendre par moi-même. Ah non, c'est hors de question. Alors tu rêves. Non mais. Alors là, c'est hors de tu question. Tu vois, personnellement. Port illégal, t'as pas le droit. Non mais même si j'aurais si je demande t'as pas à le droit. Avoir un port d'armes. Non plus. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, tu peux rêver. Non, mais après, ton port d'armes, tu peux le demander, tu peux le faire.
Oui, mais ça se fait pas en claquant des doigts, je te rassure. Non, ça, tu peux le faire. Oui, mais non. Voilà. Alors, à ce compte-là, le problème du terrorisme, il est déjà en France. On n'a pas besoin des pays étrangers pour avoir déjà du terrorisme en France. Tu prends des Français, tu prends la mafia française. Sachant que Kouachi, ils sont français. Ça, c'est vrai, il faut pas l'oublier. Koulibaly aussi, en plus, il est d'originaire de l'Essonne et je sais même où c'est parce que Grigny, je connais, c'est à côté de moi, de ma ville natale. Je connais bien Grigny d'ailleurs. Alors, donc, ils sont français. Hmm. Qu'est-ce qu'ils ont été revendiqués, Al-Qaïda? Ils sont français. Oui. Oui. Ben oui, mais qu'on m'explique. Parce qu'ils ont été envoyés, ils ont été missionnés par Al-Qaïda. Parce qu'ils ont rencontré la personne en prison. Et je rappelle que le Kouachi a fait un séjour au Yémen et a rencontré Al-Qaïda. Oui. Ben, l'histoire est là. C'est fait. Avant qu'il rentre en prison. Non, c'est après. C'est après. C'est après. Comme par hasard. Parce qu'il s'est radicalisé en prison, Kouachi. Je parle de Shérif Kouachi. Mmh. Shérif Kouachi s'est radicalisé en prison et en sortant de prison, il a rencontré finalement Al-Qaïda et c'est comme ça qu'il a été, on va dire, quelque part manipulé au niveau cerveau. Je pense que ça doit être que ça. Parce qu'il a pas, quand on l'a entendu au téléphone de BFM TV, il avait pas l'air d'un monstre, hein. Non. C'est ça qui me met sous le choc, quoi. J'ai l'impression qu'il a été très, je pense pas que c'est la prison, je pense que c'est plus le Yémen qui l'ont quelque part, on va dire, lavé le cerveau, quoi. J'ai l'impression que le cerveau a été très, 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 le problème, c'est quand voilà, il a quoi. Été emprisonné par des, rapport à un des petit propos, peu, un petit peu Robocop, un petit peu Robocop, quoi, si vous préférez. C'était un petit peu ça, quoi. C'était un petit peu le même principe. Ou Terminator. Le problème, c'est que les flics ont peur des. Et moi, personnellement, c'est pas parce que c'est de la mafia française. Le problème, il est là aussi. C'est qu'ils ont peur du terrorisme français. Mmh. Le problème, il est là. Alors, comment ils veulent protéger les citoyens français s'ils ont peur d'aller dans les cités? Parce que il ferait mais les cités c'est dangereux, c'est ce qu'on dit, hein, ça. Mais pourquoi ils sont aussi dangereux? Je tiens à préciser parce qu'ils ont été dénigrés dès le départ. Mais c'est pas que c'est dangereux parce qu'ils ont été dénigrés. Bah, si. Mais il y a deux problèmes. Donc il y a deux problèmes, c'est que si eux montrent la violence, les gens vont pas les accueillir à bras ouverts, hein. Si ils montrent qu'ils sont pas violents, les gens vont aller vers eux, hein. Bah, faut dire les. Attends, dans les quartiers défavorisés, si tu parles des cités, c'est quoi qu'on a? Violence, les armes, la drogue, tout ce que tu veux, quoi. Mais pour quelle raison? Et tu crois franchement? Et tu crois franchement? C'est des citoyens comme tout. Mais si on les écoutait, si on leur apportait un peu plus d'aide. S'ils veulent le respect de tous, il faudrait déjà qu'ils se respectent eux-mêmes, déjà. Et c'est pas en passant par la violence et en passant par la drogue qu'on va les accueillir et qu'on va leur dire bravo. Concernant la réaction de Manuel Valls aussi sur BFM TV, il a dit qu'en 3 jours, il y a eu des failles dans le dispositif de repérage des personnes susceptibles de commettre des attentats, des centaines d'individus qui partent en Syrie ou en Irak et ils sont formés au terrorisme, et d'où certains reviennent et auxquels les pouvoirs publics font face par des interpellations, des incarcérations et l'adoption à la quasi-unanimité des 2 lois antiterroristes. Alors, il a dit ceci, Manuel Valls, je dis à nos concitoyens, il faut réagir, se rassembler autour des valeurs de démocratie, il ne faut pas faire d'amalgame, et c'est ce que recherchent les terroristes. Nos compatriotes musulmans ont peur aujourd'hui, mais nos compatriotes, il faut dire les choses clairement, nos compatriotes musulmans ont peur aujourd'hui. L'un de mes meilleurs amis me disait qu'il avait honte d'être musulman aujourd'hui, il ne faut pas qu'il ait honte à affirmer, donc Manuel Valls. Donc déjà, c'est un grand message aux musulmans qu'offre voilà le gouvernement, disant les musulmans, vous êtes en France, vous êtes français, vous restez français. C'est ça qu'il faut se dire, et nous, on persiste et signe là-dessus, les musulmans français restent français et demeurent français. C'est ça qu'il faut pas oublier. Ce même sort, vous savez qu'il y a eu un responsable d'Al-Qaïda qui a fait des menaces en France, contre la France, ce soir-là. Il a posté une vidéo. Ça a été diffusé sur BFM TV. Il a dit dans ce message, alors il s'appelle Harit al-Nadari, donc c'est une autorité en matière de charia, donc la loi islamique au sein de ACPA. Alors ACPA, c'est Al-Qaïda, alors PA, je me rappelle plus ce que ça veut dire. C'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Voilà ce que ça veut dire. Alors il s'est adressé aux Français en ces termes, il a dit ceci: vous ne serez pas en sécurité tant que vous combattez Allah, son messager et les croyants. Voilà ce qu'il a dit. C'est toujours pareil, quoi, hein. C'est toujours le même discours de toute façon, hein. Donc on met Allah devant et puis voilà, quoi. Mais c'est court, c'est précis, mais quoi qu'il en soit, la menace est là. Et la menace, elle est là tous les jours. On s'y attend demain. Bien sûr, bien sûr.
Donc, il y a eu le 10 janvier, il y a aussi un hommage à la porte de Vincennes. Le Premier ministre Manuel Valls, donc le 10 janvier au soir, sous les applaudissements au rassemblement de la porte de Vincennes, Manuel Valls a notamment déclaré que la France sans les Juifs de France n'est plus la France. Je pense que la déclaration est très claire et je pense très très bien accueillie. Fallait le souligner. Il y a eu un sondage aussi ce même jour, samedi dernier, comme quoi 81% des Français se disent prêts à se mobiliser pour rendre hommage aux morts de Charlie Hebdo. Donc là, on va arriver petit à petit à la marche républicaine. 81%. C'est impressionnant quand même. Au niveau du sondage, autre enseignement précieux, c'est que cette mobilisation apparaît unanime dans le pays, transcendant les sympathies partisanes. Donc à gauche 90%, à droite 75%, et même au Front National 78%. Pourquoi pas? Ça s'est vu, hein, la marche républicaine, hein, ça se voit vachement. Hein. 79% approuvent l'Union nationale quand même. 79% des Français, pas 79% du PS, des machins, des styles, toute partie politique confondue. Hein. C'est quand même hallucinant. Et ça a été concrétisé. C'est là où on va en venir donc à dimanche dernier à la fameuse marche républicaine historique qui est devenue historique parce que c'est devenu la marche républicaine la plus représentative de France. Avec au total, alors il y a une fourchette entre 3,7 et 4,2 millions de manifestants dans toute la France. C'est une fourchette, voilà, on parle de 3,7 minimum et on parlerait jusqu'à même 4,2 au total dans toute la France. Paris, il y a eu 1,5 million de Français. Oui. Alors 1,5 million, c'est pas le record de Paris par contre, parce qu'à Paris, il y a déjà eu 1,5 million en 2002, lors de la manifestation contre Jean-Marie Le Pen. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Donc c'est pas la première fois que Paris a été mobilisé. En revanche, si on cumule toutes les autres villes, alors je vais pouvoir les citer un par un, il faut quand même les souligner. Marseille. En Marseille, par contre, ça m'a surpris, il y a eu que 60 000 personnes. Ben apparemment, ouais. C'est pas un peu, pour une deuxième ville de France, c'est pas un petit peu honteux? Ah ben c'est faible. Hein. C'est très faible, 60 000 personnes à Paris. Hein, c'est, à Paris, à Marseille, je veux dire. Excusez-moi pour les Parisiens, c'est pas du tout. Mais Marseille, 60 000 comparé à Paris, excusez-moi quoi. Bordeaux, 140 000. Alors que Bordeaux, on n'est pas forcément une très très grosse ville. Montpellier, 70 000 personnes. À Lyon, il y a eu 300 000 personnes. À Rennes, il y en a eu 115 000. À Saint-Étienne, 60 000. Grenoble, 100 000. Strasbourg, 45 000. Toulon, 45 000. Clermont-Ferrand, 50 000. Perpignan, 40 000. Caen, 25 000. Poitiers, 15 000. Aix-en-Provence, entre 22 et 40 000. T'étais au courant ? Non. Pour Aix-en-Provence, ben, comme ça, tu es au courant. je tiens à te le rappeler. Ensuite, pour les petites villes, on va dire moyenne ville, La Rochelle entre 15 et 20 000, Mulhouse 25 000, Colmar 10 000, Périgueux 15 000, 15 000 c'est Périgueux c'est chez nous, Bergerac ouais. 10 000, Annecy 20 000, ah, Charlotte, si tu nous écoutes, 20 000 personnes à Annecy quand même, c'est pas rien en Haute-Savoie, Chambéry 20 000, Cherbourg 25 000, Rouen 35 000, Le Havre 11 000, Vienne 8 000, c'est pas mal pour une petite ville comme ça, hein. Saint-Malo 15 000, Rodez 17 000, Carcassonne 20 000, Albi 16 000, Castres 11 000, Brest 65 000, Narbonne 20 000, Tarbes 14 000, Bois et 15 000. Et on parle, il y a eu aussi une manifestation à Dammartin en Gouëlle, c'est-à-dire là où a eu lieu les retranchements, il y a eu quand même 12 000 personnes. Ouais. Dans une petite ville comme ça, c'est hallucinant quand même. Donc c'est un record historique quand même pour un rassemblement dans les rues de la capitale qui avait été atteint par les funérailles nationales de Victor Hugo le 1er juin 1886. Ouais, à cette époque-là, il y avait 2 millions de personnes qui s'étaient déplacées pour rendre un dernier hommage au célèbre écrivain. Néanmoins, les méthodes de comptage de l'époque laissent planer le doute sur la fiabilité d'un tel chiffre, de toute façon, hein, il faut pas l'oublier. Depuis la libération aussi, où le général de Gaulle avait été acclamé à Paris par 1 million de personnes à l'époque, là que la plus grande manifestation sur des sujets de société avait été celle pour la défense de l'école libre en 1984, qui avait réuni 1 million de femmes, d'hommes et d'enfants dans les rues de Paris. La plus grande des manifs pour tous, hein, excusez-moi pour le petit truc, mais la plus grande des manifs pour tous avait pour sa part réuni 850 000 personnes le 24 mars 2013. C'est que dalle, pour être honnête. La marche de soutien en faveur du général de Gaulle a réuni 650 000 personnes aux Champs-Élysées. Et parmi les grands cortèges de ces 70 dernières années, on parle de l'entre-deux-tours de mai 2002 contre Jean-Marie Le Pen, qui rassembla 300 000 personnes, ou encore contre la révision de la loi Fayou en 1994, qui a réuni 630 000 personnes. Donc c'est vrai qu'à côté, ce qu'on a fait dimanche dernier, c'est hallucinant, quoi. C'est impressionnant. Je me demande si un jour on va réussir à dépasser ça. Est-ce que... Ça va être la grande question. Hein.
Alors, pas mal de présence au niveau personnalité politique. Alors, je vais pas tous vous les citer parce que je crois qu'on va y être dans 2 ans. Je vais quand même donner les plus grands. Sur le côté européen, la chancelière allemande Angela Merkel. Matteo Renzi aussi, du côté italien. Il y a aussi David Cameron du côté britannique. Voilà, donc ça, ce sont les plus grands, les gros poids européens. Au niveau hors européen, alors on parlerait de, bah, il y a eu le président palestinien, il y a le roi de Jordanie, il y a la reine de, il y a aussi la reine Rania de Jordanie, il y a le chef de la diplomatie russe. Alors lui, je me demande vraiment ce qu'il foutait là, avec tout ce qui se passe en Russie, je me pose des questions. Quant à l'Afrique, eh ben, il y a les présidents maliens. Ça, c'est, par contre, c'était énorme, ça, le président malien présent. Avec ce qui se passe au Mali, pourtant, moi j'ai trouvé ça énorme. Moi j'en ai eu les larmes à l'œil quand ils étaient bras dessus, bras dessous. Hein. Vous l'avez vu cette image de la marche républicaine ? Oui, oui, je l'ai vu, moi. Je l'ai suivi. Est-ce que vous avez vu les images en direct ? Ah oui, oui, moi j'ai tout vu sur en direct live sur la télé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments d'émotion. C'était très touchant. Mais comme je dis, j'avais qu'une crainte. Et je pense que d'autres aussi, c'est que voilà, il y aurait pu avoir un attentat à ce moment-là. Tu craignais des attaques, tu veux dire. Voilà. Des attaques. Loin de moi pour le souhaiter, mais c'est vrai que voilà, c'est ce que je craignais le plus. D'accord. Ensuite au niveau Afrique, c'est quand même pas rien. Parce qu'il y a eu le premier ministre tunisien de Tunisie qui a été quand même par rapport à leur problème de leur pays, c'est quand même énorme. Il y a le Nigeria qui est le Nigeria, je sais pas comment dire, qui est Ali Bongo qui était là. C'est quand même énorme au niveau représentation internationale, alors qu'on n'était pas forcément il y a deux problèmes en plus. Il y a d'abord, on n'était pas forcément allié avec certains pays d'Afrique, et en plus il y a certains pays qui ne sont pas forcément en plus en faveur de la liberté d'expression. Bien sûr. Et c'est ce qui fait que ça nous rapproche, quoi, hein, je veux dire, hein. Donc comme on dit, l'union fait la force, hein. C'est vrai que de voir tous ces dirigeants de pays avec lesquels, bon, on va pas dire qu'on s'entend pas, mais que c'est plutôt tendu, on va dire, de voir que tout le monde s'est uni dans un même élan de solidarité et de recueillement, j'ai trouvé ça vachement très touchant, quoi. Il y a autre chose qui m'a ému aussi au niveau national, parce que là on a parlé du côté international au niveau des États, au niveau national, au niveau des politiques. Si on éjecte le Front National. Il n'y avait qu'un seul et même corps. Ouais. Alors, si on éjecte le Front National, justement, on va en arriver dans quelques instants, hein, qu'on aura quand même pas mal de choses à dire. Ah, bah tiens, si on ne parlait pas de ça, bah là, c'est parti. Ah, on a quand même notre mot à dire là-dessus, si oui ou non le Front National méritait d'être ou pas dans le cortège. D'ailleurs, est-ce que vous avez votre avis là-dessus ? Est-ce que pour vous, le Front National devait être dans le rassemblement ? Je parle au niveau politique. Après, s'ils laissaient leur... À partir du moment où il se présente à une élection présidentielle, il doit y aller. Alors moi, je vais vous dire pourquoi. Alors j'ai quand même deux raisons. Deux raisons pourquoi le Front National ne devrait pas y être. Déjà, je rappelle, comme ça invitera... Lionel, tu pourras en profiter dans 2 minutes d'ailleurs. Franchement, déjà, d'une part, je tiens à rappeler, d'une part, qu'à titre personnel... J'ai toujours été contre et archi contre le Front National, toutes leurs idées horribles, affreuses, insupportables et tout machin. Je déteste leur façon de faire et leur manière de... En plus, ils ont manqué de respect le week-end dernier. J'ai été franchement déçu et surtout très en colère de la manière dont Marine Le Pen s'est comportée, et notamment son père, Jean-Marie Le Pen, comment ils se sont comportés le week-end dernier par rapport au deuil, par rapport aux 3 jours de deuil national. C'est scandaleux. Moi, je trouve ça ignoble voilà, moi, ça me passe par-dessus. Alors, pourquoi pour moi, ils méritaient pas que le Front National ne devrait pas être à ce rassemblement, pour 2 motifs. D'une part, faut pas oublier qu'ils étaient les ennemis numéro 1 de Charlie Hebdo. Donc, d'une part, la moindre des choses, c'est de respecter les victimes.
Déjà. Tout à fait. Donc déjà c'est très clair. Si on pour la priorité numéro un, c'est pas pour rien qu'ils étaient mis en avant en première ligne les familles des victimes, les survivants et tout ça de Charlie Hebdo, plus bien sûr Kacher. C'est pas pour rien. Il faut quand même respecter ces personnes et les victimes. Les Front National, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là alors qu'ils ont été détestés par Charlie Hebdo et franchement ils n'avaient pas leur place dans le manif. Ça c'est le premier numéro un. Le point numéro 2, c'est leurs idées. Vous savez, attends, c'est les premiers, je suis désolé de le dire, et tout ça, côté antisémitisme, c'est pas eux qui sont exemplaires non plus, hein. Ils ont toujours été contre, on va dire, quelque part racistes, ils ont des idées racistes. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça a été encore confirmé hier. Je sais pas si vous avez vu ce qui a été déclaré, que finalement, encore, Marine Le Pen a déclaré hier que le sujet qu'il faut réfléchir, c'est l'immigration. Ça veut tout dire, hein. Voilà. Les accords de Schengen, c'est une autre histoire, mais elle est encore basée sur l'immigration. C'est quand même hallucinant, quand même. Donc, si avec ça, Marine Le Pen a sa place dans l'unité nationale, franchement, il y a un problème. Et moi, personnellement, elle n'avait pas sa place. Est-ce que pour vous, elle avait sa place? Alors, j'ai entendu André qui avait au niveau unité nationale. Je pense qu'avec ça, un rapport avec l'unité nationale. Je pense qu'il y a un débat là-dessus. C'est quand on dit unité nationale, donc on unit tout le monde et tous les Français, tous les partis, tout ça. Mais il faut aussi quand même rappeler qu'il faut respecter en premier lieu les victimes au passage. Oui, moi je pense que voilà, ils garderaient leur façon de penser, leur préjugés, etc., etc., de côté et défiler en soutien pour la famille, etc., etc. Ok, là oui, pour moi ils ont leur place. Mais à une condition, c'est que tu oublies ton corps politique, on va dire. C'est vraiment tous les corps politiques qui font qu'un seul. Il n'y a pas eu de mécontentement entre la gauche, la droite, l'extrême gauche, les verts, etc., etc. Tout le monde était uni et tout. Et je pense que si ils auraient été là en laissant leurs soucis de côté, ça aurait été bien aussi. Bon, voilà. Après, il y a eu ces attaques-là du Front National que je déplore totalement, de toute façon, que je ne soutiens pas. C'est dommage parce que ça donne encore cette mauvaise image de la France, même si on était unis à ce moment-là. À cause de ces divergences-là, on se fait montrer du doigt encore une fois, quoi. Je veux dire. Déjà, il y a moi, l'image que j'ai vachement appréciée, c'est donc tout ce groupe, tout notre groupe politique, tous nos groupes politiques qu'on a en France, notamment avec Angela Merkel, tout ça, qui était donc à côté de François Hollande. Cette approche qu'il y a eu de François Hollande par rapport à une des familles des victimes de cet attentat, et j'ai trouvé ça fort touchant de toute façon. Après l'attaque gratuite du Front National que je n'arrive pas à concevoir de toute façon. Il y a plusieurs comportements. D'abord le comportement de Jean-Marie Le Pen la veille de la mobilisation. Je rappelle qu'on était en deuil national entre jeudi et dimanche quand même. Il faut pas l'oublier. De profaner, parce que pour moi c'est une profanation. De profaner le nom Charlie. Non. Franchement, je ne suis pas Charlie. Enfin, il a le droit, mais après quoi, pas pendant le deuil national. C'est ça que je veux dire. On a tout à fait le droit de s'exprimer, qu'on est. Mais disons que c'est pas le bienvenu et c'est pas comme ça qu'on va adhérer à leur comportement. C'est pas. Et puis forcément, c'est mérité. Je suis désolé, c'est mérité leur exclusion. Jean Philippot, d'ailleurs, sur BFM TV le dimanche après-midi, parce que vous savez, j'ai regardé BFM TV tous les jours, vous le savez, hein. Donc qui se permettent à ce jour de deuil. Oui, mais vous savez, le Parti Socialiste, ils profitent de cette occasion, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas le jour pour. S'ils veulent attaquer le Parti Socialiste, c'est le lendemain ou le surlendemain, une fois que tout est passé, mais c'est pas le jour même qu'il faut attaquer le Parti Socialiste, François Hollande, tout machin, ici et là. On est en mode deuil. Le deuil, il n'y a plus de parti politique à ce moment-là. Je veux dire, il n'y a plus de PS, il n'y a plus de UMP, et d'ailleurs, ça a été très démontré, ça, je tiens à féliciter tous les anciens ministres, les maires, c'était impressionnant les images que j'ai vues le dimanche, le 11 de janvier, c'était super beau. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, c'était super beau et vraiment exemplaire. Et ça serait tellement beau que ça soit tous les jours, mais on peut toujours rêver. Quoique, à l'Assemblée nationale, c'était énorme aussi mardi, j'en parlerai après. Ah, c'était énorme, on l'a vu en direct, franchement,
vraiment, franchement, ce que j'ai vu mardi, c'est, j'étais en larmes. Tellement que c'était impossible, quoi, ce jour-là aussi. Ouais, mais moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est bête à dire. Mais pourquoi il faut qu'ils attendent des moments comme ça pour s'unir. C'est le problème, il est là. C'est vrai. C'est vrai. Le problème, il est là. D'accord qu'ils ont entamé la Marseillaise L'Unité nationale. À l'Unité nationale. Mm-hmm. Mais pourquoi ? Le problème, il est là. C'est vrai. Il faut des événements tragiques ça pour que... T'es pas le seul à l'avoir dit, parce que j'en ai beaucoup vu de ces genres de paroles sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Ah, mais sur les réseaux sociaux, J'ai beaucoup vu de messages comme ça, qui se disent, mais comment ça se fait qu'il se passe quelque chose de très grave en France, pour unir finalement les différences bien politiques. Sûr. C'est quand même... T'es pas le seul à l'avoir dit, hein, je te rassure. Ça se passe comme ça à chaque fois. C'est sitôt qu'il y a quelque chose de grave, comme par hasard, tout le monde est uni dans le même sens et tout. Non, mais et sinon, aberrant. Autrement, tout le monde se tire dans les pattes. C'est aberrant. Est-ce que vous pensez, je vais y arriver parce qu'il y a l'émotion qui parle aussi, le message des Français de dimanche dernier, c'est quoi pour vous ? Qu'est-ce que pour vous, vous avez ressenti sur les 4 millions qui ont manifesté dehors ? Quels sont, d'après vous, le message que les Français attendent ? L'égalité, tout simplement. Alors. Ils veulent une égalité. Est-ce que pour vous, ce qu'on appelle unité nationale, c'est-à-dire plus de différence. En gros, je tiens à rappeler que pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment le vivre ensemble dans sa grande splendeur, ce que j'ai vu. Bien sûr, exactement. C'est ça que j'ai vu. C'est-à-dire que là, il y a plus de différence, quoi. Je veux dire, que tu sois black, blanc, beurre, hétéro, homo, que tu sois handicapé, valide, je veux dire, il y a plus de discrimination. Que tu sois athée, etc., etc. C'est tout le monde marcher dans le même sens. Voilà. C'est qu'il n'y a plus... Que le mot discrimination n'existe plus. Le vivre ensemble a été tellement bien représenté ce 11 janvier. Bien sûr. Mais ça, c'était le meilleur exemple et la meilleure réponse des Français. Mais moi, ce que je veux, c'est que ce qu'on a vu dimanche, c'est que ça continue. Je tiens à souligner qu'il y a eu aussi pas mal d'associations qui étaient aussi à la marche républicaine de Paris, je parle. Ouais. Je vais les citer parce que on leur doit beaucoup aussi. Il y a la Ligue des droits de l'homme, les mouvements antiracistes LICRA, le SOS Racisme, Reporters sans frontières, qui étaient là aussi. Par contre, là où j'ai été surpris, c'est quand j'ai appris qu'il y avait l'inter-LGBT. Ah. Alors, j'ai été très surpris. Mais franchement, bravo, parce que l'inter-LGBT, pourquoi ? Parce que vous voyez que Charlie Hebdo avait pas mal défendu aussi la cause homosexuelle. Ouais. Donc c'est pour ça que l'inter-LGBT était présente. Et j'ai été surpris quand je l'ai appris. Et franchement, merci, parce que heureusement qu'ils sont à Paris. C'est facile pour eux. Nous, on n'est pas à Paris pour y aller. On peut pas y aller. toi, déjà, t'es loin de Paris, Sandy. Hein. Oui, mais bon, deux heures de Paris. Tu sais, les trains ont été tellement complets que pour aller à Paris, c'est bon courage, hein, quand même. Oui, donc, c'est sûr. C'est ça le problème. Donc l'inter-LGBT était sur place à Paris, mais franchement j'ai été très aussi touché par on va dire la présence de l'inter-LGBT qui était là-bas. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc on parle de pleurs, de peur, de colère et d'humour. Il y a des tensions qui ont aussi derrière l'unanimisme. Alors c'est vrai qu'il y a les pleurs, c'est vrai qu'on en a vu. La peur y était, hein, ce jour-là. On parle de colère. J'ai pas senti la colère à Paris, moi. J'ai plus senti le... je sais pas comment vous dire, j'ai pas senti la colère, j'ai senti le combat, pas la colère. Ouais, c'est... L'humour aussi. Ah ouais, par contre, sur les pancartes, il y a eu pas mal d'humour. J'ai énormément apprécié le gros crayon géant, la statue de la... Alors, je sais pas si c'était une Marianne ou la statue de la liberté. Non, c'est la Marianne qu'on a vue géante qui faisait une petite scénette à Paris. C'était magnifique, c'était super beau, c'était super bien fait. C'est tout ce qui était représentatif. Les pancartes aussi, parce que j'ai pas mal de photos sur les pancartes. Bon, beaucoup sur Je suis Charlie. Juste une petite précision, le message Je suis Charlie, j'espère que tout le monde a saisi, peut-être à sa propre manière. Je suis Charlie, pourquoi ? Pour la liberté d'expression, c'est ce qu'a dit les 75% des manifestants. Il y en a même qui disent oui, je manifeste parce que ma liberté est attaquée, donc c'est la première fois, je viens comme ça, à l'improviste. Oui, il y en a, ils le font parce qu'ils se sentent atteints. C'est ça, c'est atteinte un petit peu à la personne, un petit peu, voilà, pas, un petit peu, ouais. Bah oui. Le problème qui se passe, c'est par rapport à
à la manif de dimanche, c'est vrai, c'est pas mal. Mais tu regardes à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on parle sur la radio, à l'heure où on fait l'émission, la plupart des gens qui étaient là, qui se sont mobilisés dimanche pour la marche par rapport à Charlie, n'ont plus le même discours maintenant. D'accord. D'accord, d'accord. Voilà. Ils ont repris leur vie. Ah oui, mais c'est ça qui me dérange. Mais ben, c'est ça en qui fonction me... des toutous. C'est pas le tout de montrer l'exemple en un jour. Faudrait voilà. montrer l'exemple le tous problème, les jours. C'est ça qui m'embête un peu. C'est bien de proclamer, de voir haut et fort des messages de tolérance, des messages de paix, des messages de liberté. Mais il faut que ça soit à l'année. Mais il faut que ce soit concret. C'est-à-dire, c'est pas le tout de faire des jolies paroles dans une manifestation. Il faut que ce soit concret et on va dire, oui, concret au niveau acte. Par la suite, parce que j'ai pas totalement senti ça pour l'instant. Pour la suite, cette semaine-là, je n'ai pas encore vu ça. À part les panneaux Je suis Charlie, mais pour moi, ça ne me suffit plus maintenant aujourd'hui. Le Je suis Charlie sur les pancartes que je vois sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, je vois toujours des panneaux partout. Je suis Charlie. Mais quand on dit Je suis Charlie, c'est pas uniquement en colère par rapport à ce qui est arrivé à Charlie Hebdo. Il faudrait aussi se dire par rapport à ce panneau-là, je veux être libre, je cherche la liberté. Je veux être solidaire, je veux le vivre ensemble, je souhaite la paix, je sais pas quoi. Mais ce message de je suis Charlie, il faut le concrétiser. C'est pas uniquement pour faire joli, pour faire le fun, pour faire plaisir, pour se rendre utile. Il faut que ça soit concret au niveau acte. Et pas uniquement au niveau représentatif pour faire joli sur les réseaux sociaux. Je tiens à rappeler que les réseaux sociaux, ce n'est que du virtuel. On ne sait pas ce que ça cache derrière. Faut pas l'oublier. Bah oui. Ensuite, le président de la Ligue catholique américaine, alors lui, par contre, c'est le contraire, il blâme Charlie Hebdo. En fait, l'Église catholique de Québec, d'abord, il condamne d'abord fermement l'attentat au Charlie Hebdo, quand même, au passage, c'est déjà une bonne nouvelle. En revanche, la Ligue catholique américaine pointe le doigt vers le journal satirique français. Pourquoi ? Après avoir livré, en fait, un communiqué de presse où il indique notamment que c'est dommage que Stéphane Charbonnier n'ait pas... compris le rôle qu'il a joué dans sa propre mort, le président de la Ligue, Bill Donohue, et en rajouté donc mardi dernier, en notant que les dessinateurs et ceux qui s'associent à Charlie Hebdo ne sont pas des héros de la liberté, bien au contraire, leurs représentations de figures religieuses qui sont tellement choquantes qu'aucun média de masse ne les a diffusées, et en fait une atteinte à la liberté. Est-ce que vous trouvez ça juste, ces paroles ? Est-ce que vous trouvez que ce que diffuse Charlie Hebdo est une atteinte à la liberté ? C'est ce qu'a été déclaré. C'est pas une atteinte à la liberté. Je pense que c'est. Moi, voilà, je trouve pas ce qu'il y a de mal de caricaturer des événements ou des personnes. Je vois pas en quoi c'est méchant, quoi. Je veux dire, on a bien des humoristes qui se permettent de caricaturer aussi des politiques, des. Je veux dire, c'est pas pour autant qu'on les attaque, quoi. Je veux dire, voilà. Donc je vois pas pourquoi tant de haine à propos de ça, quoi. Alors on va faire ça en deux parties, c'est-à-dire qu'on va faire un débat sur la liberté d'expression et puis on va un petit peu aussi décortiquer plus tard le journal de Charlie Hebdo qui est paru cette semaine. Revenons un petit peu sur la liberté d'expression. Rappelons que la liberté d'expression fait partie de notre, on va dire, de nos priorités en France, parce que la liberté, c'est quand même, faut pas oublier que c'est un droit fondamental en France et aussi c'est aussi une des devises en France qui fait partie aussi des droits de l'homme. Il ne faut pas l'oublier. Donc la liberté d'expression est fait partie des droits de l'homme. Je tiens aussi à le repréciser. Je vais quand même parler. La liberté d'expression et de ses opinions est une des premières libertés politiques et plus généralement des libertés fondamentales. Donc dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la liberté est le premier des quatre droits de l'homme. Précision. Après la définition de la liberté et le rappel de la primauté de la loi, donc dans l'article 4, il y a aussi le refus de la détention arbitraire, c'est dans l'article 7, et aussi la présomption d'innocence dans l'article 9, il y a aussi l'affirmation du respect des opinions, notamment religieuses, dans l'article 10, et aussi la libre communication des pensées et des opinions qui apparaît comme la première des libertés dans l'article 11. C'est quand même pas rien ce que je vous dis. C'est également cité dans l'article 19 de la Déclaration universelle, j'ai bien dit universelle des droits de l'homme de 1948, comme suit ceci. Alors je vais vous dire le texte exact de cet article 19. Il dit « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »
Il y a aussi l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 qui s'adresse à tous les États membres du Conseil de l'Europe. Alors il y a plusieurs choses. Toute personne a droit à la liberté d'expression en Europe. Hein. Attention, c'est pas que la France là. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. Et deuxième point en Europe, c'est que l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime. C'est pas fini. À la protection de la santé et de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité des impartialités et l'impartialité du pouvoir judiciaire. C'est compliqué les lois, vous comme vous remarquez, hein, mais en tout cas c'est ça qui est souligné en Europe. Vous êtes au courant aussi que il y a des condamnations. Vous savez, est-ce que vous connaissez l'inverse de la liberté d'expression? Est-ce que vous savez quel est le contraire? Non. Enfin, je réfléchis, mais je. Au niveau de la loi, je parle. Quel est le contraire de la liberté d'expression? Je vois pas. Lionel, tu m'inquiètes. Je pensais, sachant que ça fait partie. Je sais pas, l'interdiction de taper. Non. Mais non, l'interdiction. Parce qu'on peut pas interdire de s'exprimer, mais il y a quand même une chose qui peut contrer la liberté d'expression. C'est la censure. Ah oui, la censure. Et oui, réfléchissez, la censure, voilà, il y a aussi tout ce qui est injure aussi, voilà, la loi sur les injures, la censure, bien sûr. Donc voilà, attention, dans la limite du réseau. Certains qui confondent par exemple l'interdiction qu'on fait à Dieudonné, ils font le lien entre liberté d'expression et ça. D'accord. Oui, mais ce qui arrive à Dieudonné, on va en parler après, c'est quand même largement... Quoique, c'est un peu compliqué avec Dieudonné, parce qu'il s'est aussi exprimé sur son Facebook. Il a essayé de trouver des mots d'excuse à Bernard Cazeneuve, il a adressé une lettre publique. C'est assez compliqué, parce qu'il a essayé de chercher la paix, et puis finalement, la politique n'a pas lâché l'affaire, et veulent le poursuivre en justice. Alors, ça mérite question, finalement, là aussi, malgré que j'apprécie pas du tout Dieudonné, pour beaucoup de raisons, sur ce côté antisémitisme et tout ce que vous voulez, y compris l'homophobie aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque part il a essayé aussi de trouver un terrain d'entente avec Cazeneuve et qui finalement n'a pas du tout établi, et d'ailleurs Manuel Valls l'a attaqué sans donner le nom à Dieudonné, mais on a compris le message, il a quand même attaqué Dieudonné lors de l'Assemblée nationale aussi. Je viens de préciser. Donc aussi, la propagande ou la publicité en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisées comme moyen de se donner la mort est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Aussi, l'atteinte au secret professionnel est punie. Vous le savez. Et c'est pas fini, il y a la diffamation et l'injure qui sont punies aussi. C'est pour ça que j'ai pas compris hier matin, vous savez, quand j'étais... Oui, voilà, oui. C'est là que c'est ça que j'ai pas compris. Il y a un truc qui cloche, c'est-à-dire que quand il y a de la liberté d'expression, il y a quand même la diffamation et l'injure qui condamne, on va dire, les limites de cette liberté d'expression. Eh ben non, quand t'as la liberté de penser, tu n'es pas condamné. Attendez, quoi, il faut arrêter. D'ailleurs, on va en parler, Lionel, de ça, si tu veux. Mm-hmm. Je pense que c'est peut-être le moment. Si tu veux qu'on fasse là-dessus, est-ce qu'on peut sans donner le nom de la personne, on va être très clair, qu'il n'y ait pas de problème. Est-ce que tu t'es fait traiter Je me suis fait purement et simplement traiter, même insulter d'extrémiste. Oui. Par rapport à mes anciennes relations politiques, parce que je ne le cache pas, et encore même maintenant, je soutenais le parti du Front National. Voilà, je le cache pas. Tu l'as jamais caché, d'ailleurs. Alors quand je dis que je soutenais le Front National, je vais bien préciser, parce que qu'il n'y ait pas de malentendu. Je votais pour eux parce que j'étais d'accord sur certaines choses, certaines de leurs idées, mais je ne cautionne pas forcément, je ne cautionnais pas et je ne cautionne toujours pas leurs agissements. Mmh.
Voilà, parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus là-dessus. Il y a une différence quand même, si je peux me permettre, parce qu'il faut pas oublier que notre association est apolitique. Quand je parle de apolitique, ça veut dire qu'on ne demande pas aux personnes qui cherchent à adhérer à l'association, on ne demande pas. Vous faites partie de quel parti politique? Ça ne se fait pas, ça d'abord. Non, premièrement. Tout à fait. Chaque personne est libre de faire partie, de soutenir et de faire partie de n'importe quelle famille politique. Mm-hmm. Je ne vois pas en quoi, où est le mal. De soutenir X ou Y parti politique. Mmh. Moi, maintenant, à une certaine époque, j'avais choisi de soutenir ce parti politique-là parce que, dans un sens, je m'y retrouvais. Je veux pas dire qu'attention, je ne suis pas en faveur du racisme et de toutes ces choses-là. Bien au contraire, je suis plus dans le sens de les défendre, sinon je ne ferai pas partie de cette association, quoi qu'il en soit. Si j'ai adhéré à l'association, ça aurait pu être une autre association aussi dans le même style. C'est parce que je me retrouve dans les combats qu'on mène, dans la façon qu'on a de soutenir et de militer contre toutes ces formes de discrimination telles qu'elles soient. Même si, ben oui, en effet, j'ai fait partie, je soutenais, parce que j'ai fait partie, j'avais pas ma carte d'adhérent, mais je soutenais le Front National parce qu'ils avaient des idées et non parce que ils étaient pour le racisme, pour la fermeture des frontières, pour le retour à l'euro, au franc, pardon. Pour X ou Y raison, bien au contraire, moi je suis contre le retour au franc. De toute façon, je suis contre le racisme. Je ne cautionne pas le terrorisme et encore moins l'extrémisme. Voilà, je suis un Français. Je défends mon pays. J'aime mon pays. J'ai pas honte de le dire, même si je suis pas totalement d'accord à 100%. Des fois avec lui ou avec les dirigeants, avec ses dirigeants, mais voilà, j'aime mon pays et toutes les personnes qui se permettent de me critiquer ou de critiquer mes amis sur X ou Y raison par rapport à leur religion, par rapport à leur famille politique ou autre, de quel droit? Revenons sur la source, c'est-à-dire qu'on t'a traité d'extra... pourquoi? Comment tu oses mettre la pancarte « Je suis Charlie » alors que tu es quelque part pour cette personne, un extrémiste? Alors déjà, pour moi, ce qui me met en colère encore plus, c'est que la police, quand j'en ai parlé hier, c'est que je les ai vus hier et ils ont osé dire que c'est de la liberté de penser, alors que finalement, d'abord, c'est faux. C'est quand même une accusation très grave, faux, de la pure vengeance venant de cette personne pour attaquer l'association, parce que le but est de nuire l'association et le but est de nuire aussi à notre image. Mais à part ça, la police tolère ça. C'est pour moi, je suis encore plus en colère venant de ça. La liberté d'expression existe, oui. Mais de la tolérer ces genres de propos, d'accuser des personnes graves, tout ça, c'est moche et c'est cruel. Moi déjà je suis très en colère par rapport à ça. Comme je dis tout le temps, la liberté d'expression n'autorise pas tout. Il y a des limites sur la liberté d'expression. Il y a des choses à ne pas commettre. Il y a des choses très très graves et qui vont trop loin, notamment sur les menaces, notamment sur les c'est même de l'injure, parce que pour moi ça reste de l'injure ce qui a été dit sur toi, Lionel. Bien sûr, tout à fait. Et pourtant c'est pas suffisant pour eux. C'est de la liberté de penser. Je dis mince quoi. Comment la police peut dire c'est de la liberté de penser puisque c'est de la nuisance volontaire quelque part. Quand on va dans une association, est-ce qu'il y a une association, un gérant d'une association qui pose la question de quel parti politique tu fais partie? Non, jamais. À moins que j'ai raté un épisode, et là, une association en général est apolitique. Pour en revenir à la liberté d'expression, Cédric, tu es avec, je pense qu'il y a que toi et moi qui avons ça. Qui a le journal Charlie Hebdo? Cédric, t'as un petit peu feuilleté, t'as un petit peu vu le contenu, qu'est-ce que t'en penses? T'as un petit peu lu ou pas? Je le lis un tout petit peu. Les dessins, bon, ça me choque pas du tout. Hein, de toute façon, comme j'ai dit, les dessins, c'est faut pas. Moi, je prends. Faut pas prendre trop au sérieux, faut prendre à la légère. Je sais pas, parce que tu vois, je suis un peu partagé pour être honnête avec toi. Je l'ai lu.
à la fois, je me mets à leur place. Tu vois, ils ont été attaqués et forcément, ils vont, on répond l'attaque par l'attaque quelque part. Voilà, c'est aussi leur forme de quelque part. Mais est-ce que on a eu déjà une attaque par rapport à la liberté d'expression par rapport à ça? On est déjà en guerre. Est-ce que franchement, ils ont besoin d'en rajouter? Ils ont quand même dit quelques paroles un peu. Il y a quelqu'un qui souffle au micro, ça fait un peu bizarre. Hein. Est-ce qu'ils ont besoin d'en rajouter, d'en faire un peu trop quelque part dans leur carrière? Et surtout dans les paroles, parce que il y a quelques petites paroles, j'ai l'impression que c'est un petit peu de la provocation aussi pour moi. Mais c'est un petit peu provocateur quand même. Il y a quand même. Même si c'est provocateur, est-ce que vraiment tu le prends sérieusement? Oui et non. Je pense pas que c'est le bon moment pour faire ça. Non, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être choisi. C'est-à-dire à la fois ils se défendent parce qu'ils ont été attaqués sur ce terrain-là. Donc finalement ils font l'attaque par l'attaque par leur caricature en disant voilà on a la liberté de penser, la liberté d'expression. Mais il y a un petit mais, c'est que des fois il y a des petites paroles, notamment sur des articles. J'ai pas pu les souligner parce que bon il y a quand même 16 pages, j'ai pas pu souligner les morts et puis j'ai pas envie d'abîmer le journal quand même. Mais il y a quand même certaines paroles un peu provocateurs et une parole provocatrice plutôt et qui peut finalement déranger et qui va pas arranger la situation. Moi je vais juste donner mon point de vue là-dessus. C'est vrai que par exemple. Bon, d'accord qu'ils aient sorti cet hebdo spécial par rapport aux attentats, d'accord. Mais par rapport à la provocation, ce que je trouve pas logique, c'est que quand tu t'es sans provoquer, le mieux que t'as à faire, normalement, c'est pas de jouer à la provoque, parce que c'est comme si tu tendais le bâton pour te faire frapper dessus. Bon, par contre, à la page 11, j'aime bien. À la page 11, il y a un grand dessin là sur le business des otages. Ça va, moi j'aime bien celui-là. C'est comique, c'est bien, c'est bon enfant, c'est pas méchant. C'est pareil pour la page 10. Il y a un petit dessin en bas à gauche sur attention au coup de soleil. Quelqu'un veut me retourner. C'est marrant. Moi, c'est assez amusant. Moi, on voit un Christ crucifié. À côté, il y a une personne toute nue. Mais c'est une attaque. Moi ça me choque pas ça. C'est plus ces paroles qui me dérangent. C'est pas des dessins. Je trouve que les dessins sont assez. Voilà, il y a beaucoup d'humour. Non, c'est pas choquant. C'est plus les textes en fait, les articles qui sont un petit peu durs, on va dire, et pas voilà. forcément, on va dire. C'est peut-être pas forcément bienvenu, mais après il faut se mettre à leur place. Quelque part aussi. Il faut se mettre à leur place. Ils ont perdu des collègues, tout ça pour des crayons. Ils vont pas dire merci non plus. Non, c'est sûr qu'ils ne disent pas merci. Mais je vais dire ça généralement. C'est comme au niveau politique. Entre partis, ils s'attaquent. Ils se lancent des piques. À ce compte-là, quand il y a des attaques de fait, le mieux c'est de pas relancer une attaque. Bon. Parce que le pire c'est après il faut pas s'étonner des conséquences. Par contre c'est vrai que j'avoue que c'est un petit peu des fois ils vont un peu loin hein, sur la liberté d'expression. Je dis franchement par exemple sur la page 3, il y a un dessin avec le pape en haut là où je sais pas si c'est un pape ou un. Sur la page 3, il y a le pape qui dit les divorcés pourront communier. Il y a le pape, je sais pas qui c'est, qui dit mon Dieu pardonnez à ces mangeuses de. C'est un petit peu beaucoup ben, disons, quoi, mais c'est de l'attaque gratuite. Mais c'est pas de l'attaque. Bon, le dessin est marrant, mais j'avoue que les paroles sont des attaques. Les divorcés pourront communier. Oui, c'est celui-là, voilà. Alors, je dois avouer que celui-là, voilà, il est marrant, le dessin. Le dessin est marrant. Le dessin est marrant. Par contre, les textes, c'est dur. Les textes sont provocateurs.
Plus tu vas dans la provoque, plus tu t'exposes à des conséquences. C'est ce qui est dommage. Mais ça reste de la caricature. Oui, c'est pas un truc qu'il faut prendre au premier degré, quoi. Non, mais je suis d'accord là-dessus. Mais que ça soit sur le Charlie Hebdo, ou que ça soit sur les journalistes, ou que ça soit sur tout. Le problème, c'est quand tu réponds à la provocation, viens pas t'étonner qu'il y a des représailles. Alors, après. Par contre, sur la page, ça par contre, très joli, magnifique, page 7. Page 7, j'écris ton nom, Liberté. Je suis Charlie. Pourquoi êtes-vous des millions de Charlie aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs réponses, plusieurs personnes qui répondent. Pour la liberté des journalistes. Ça, c'est une deuxième réponse. Je suis militante pour la liberté. Parce que chacun a le droit à la liberté, à sa liberté. C'est pas la liberté, à sa liberté. Je défends vraiment la liberté d'expression, même si je suis souvent pas d'accord avec Charlie Hebdo. Ça, c'est vrai. C'est vrai. J'en ai vu, je l'ai vu dimanche. C'est leur opinion. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est leur opinion. Ils ont le droit de, t'es dans un, t'es dans un pays libre. Mmh. Ce qui veut dire que normalement, il y a trois fondements. Les devises de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais là, on est sur la liberté. Les paroles que je viens de dire après, donc, elle dit, je trouve ici de tuer pour des idées. De tuer pour les idées. Ah, oui, ça, c'est vrai aussi. Mais toutes les paroles que je vois là, en fait, j'ai l'impression que ce sont les vraies paroles des manifestants de dimanche. Hein. Donc, la France, c'est le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Ensuite, pour les valeurs de notre pays, la liberté et la démocratie, et enfin pour la liberté tout simplement. Et ça c'est beau. Moi j'aime beaucoup ça dure toute une colonne dans la page 7. C'est très joli. C'est tout ça. Alors après il y a des gros dessins sur le cortège en double page en 8 et 9. C'est quand même c'est joli. Ça c'est beau. Moi j'aime bien, c'est très beau, c'est très fort, J'aime bien le côté comique à droite, à gauche plutôt. On peut fumer à Libération. cancer du poumon, bande de cons. Et après, t'as François Hollande en bas. L'État français débloque 1 million pour Charlie. Google lance une souscription. Et moi. Oh, j'aime bien. C'est humoristique. Ça, j'aime bien. Mais il y a des paroles, il y a des articles pour moi qui m'embêtent un petit peu, qui ne sont pas forcément. Je vais pas lire les articles parce qu'on va pas y arriver. Mais si vous lisez, si vous voyez que je recommande parce que d'abord il est pas cher, puis on fait en plus 3 €, c'est pas non plus excessif. Franchement, je le recommande. Même si on n'adhère pas forcément à leur manière d'exprimer. Qui a vu en direct l'Assemblée nationale mardi? Non, j'ai pas vu. J'avais commencé à regarder, mais j'ai pas regardé. La minute du silence? C'est unique. Unique. Moi, j'ai tout vu. Non, mais pas. Mais la minute du silence et la Marseillaise. Il n'y a pas que ça. Alors, non, il y a les interventions aussi. Alors, explication, parce que nous, on l'a vu en direct sur LCP, hein, sur la chaîne parlementaire. On l'a vu en direct, nous. C'est SCP qu'on a vu en direct. Et donc Claude Bartolone a d'abord commencé à évoquer les 17 victimes, tout ça. Et la Marseillaise a été, je vous signale, ça n'a pas été prévu. Hein. La Marseillaise a été, on va dire, improvisée. La minute de silence était prévue, par contre. Oui, ça c'était prévu. Mais la Marseillaise n'était pas prévue. La Marseillaise est arrivée juste après la minute de silence, qui n'était pas prévue du tout, quoi. Mmh. Ils étaient tous debout, unanimement, sauf, je crois, les deux Front National, je crois, si je me trompe pas, et que ils ont tous chantonné ensemble la Marseillaise. Je crois que c'est du jamais vu dans l'Assemblée nationale depuis des centaines d'années, je crois. Des trentaines d'années. Ça fait des années que ça a pu. Autre chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu, il y a eu 6 groupes politiques qui ont intervenu dans la même optique. Dans la même vision, ils ont applaudi ensemble Manuel Valls, mais alors tous. C'est du jamais vu. J'aurais jamais cru que tous les partis politiques auraient applaudi Manuel Valls. Deuxième chose, c'est que tous les partis politiques, les groupes politiques ont été 12 d'accord sur le même principe contre le terrorisme. Ça, c'est aussi très bien. Et la troisième chose, c'est que tous sont
pour vont vers le gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Ils sont tous à l'unanimité, c'est-à-dire sur le travail ensemble, sur l'unité nationale, sur l'unité, tout ça, pour combattre. Et moi, ça m'a touché, c'est du jamais vu à l'Assemblée nationale. Où c'est qu'on a vu l'Assemblée nationale être ensemble? Alors, on l'a vu dans le gouvernement, mais alors l'Assemblée nationale chez les députés, c'est quand même très fort. Moi, j'ai été scotché, ouais, moi, quand j'ai vu ça. C'était... Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il ait fallu un événement comme ça pour qu'ils prennent conscience qu'il faut travailler ensemble. Alors, je vais vous donner vite fait je vais vous faire vite fait ce qui a été dit. Alors, Bruno Leroux qui a dit « Travaillons ensemble, quelle leçon de fierté, quelle fierté. Les Français attendent de nous que nous préservions les valeurs de notre modèle républicain. » Donc, ça, c'est dit par Bruno Leroux. « Perpétuer cet élan populaire, Bruno Leroux veut prendre appui sur cet élan populaire, sur cet esprit du 11 janvier pour redonner du sens aux valeurs de la République. Ensemble, n'oublions pas que toujours, les ferments de la division sont là. » Voilà. Jacob de l'UMP, il a dit « Des fanatiques qui nous ont déclaré la guerre, la France pleure. Des barbares ont dévoyé une religion, l'islam. Ce qui est en jeu, poursuit-il, c'est la guerre que les fanatiques nous ont déclarée. Jacob, d'ailleurs, veut une loi exceptionnelle. À circonstances exceptionnelles, il faut aussi une loi exceptionnelle. Si nous devions pour un moment restreindre les libertés publiques et les libertés individuelles de quelques-uns, alors il faudra le faire. » Il a dit, et il s'est retourné vers Manuel Valls en disant « Nous serons à vos côtés ». Ouais, non. Ça fait bizarre. L'UMP dire ça à Valls, quoi. C'est quand même hallucinant. L'UDI qui a à son tour rendu hommage, il a dit, nous sommes tous meurtris de notre chair. La France vient de connaître parmi les heures les plus sombres de son histoire. L'UDI a dit ceci, la République est une République implacable. Ils pensaient nous diviser, ils nous ont rassemblés. Lorsque la République est attaquée, la réponse ne peut être que plus de République, défend le centriste. Il martèle d'ailleurs, la République doit être implacable face à ses ennemis. Ensuite, les écologistes, ils ont dit ceci, être la France, c'est tenir bon. D'accord. Les terroristes n'ont pas choisi de frapper au hasard. Leur message, donc, selon les écologistes, c'est soyez la France, être la France, c'est tenir bon, c'est faire preuve de lucidité et d'humilité. Voilà. La meilleure réponse, c'est aussi plus d'humanité, venant les écologistes. Après, il y a les communautarismes ils disent le communautarisme est une menace pour la démocratie. Ça, c'est ce qui a dit par le Parti radical de gauche. Voilà, Parti radical de gauche, j'ai été touché très touché par son intervention. C'est celui qui était venu là, une personne assez costaud, qui était énorme. Par contre, je crois que j'étais celui qui m'a touché le plus au niveau des paroles. Il a dit une nation entière s'est dressée pour résister, pour refuser l'inacceptable. La démocratie continue. La démocratie a une force considérable quand elle incarne une vaillance tranquille, fait valoir le député PRG. Et après, je vais pas vous dire tout ça, mais voilà, en gros, ils sont tous d'accord sur le même principe et sur la même volonté, voilà, d'être unis, solidaires et ensemble. Et ça, je trouve ça que c'est très intéressant. Comme tu dis, c'est dommage qu'il a fallu un crime terroriste pour en arriver à ce stade. Et on aurait bien voulu que ça en arrive là. Concernant les propos de Jean-Marie Le Pen, aïe, oui, au secours, on y arrive. Il a dit ceci, est-ce que vous vous souvenez des paroles qu'il a fait durant une semaine? Alors, il a commencé à dire que... Alors, c'est comme ça que j'ai oublié de vous le dire au début, quand on avait parlé de la marche républicaine. Il a dit ceci, qu'il a qualifié dimanche, en parlant de la républicaine, de charlot, les soutiens de Charlie Hebdo. Bravo, c'est charmant, hein, le dimanche, hein, c'est quand même hallucinant. Ça m'étonne pas de lui, parce qu'il est... Il a dit, tous ces gens marchent avec la pancarte, je suis Charlie, alors qu'en fait, ce sont des charlots qui sont responsables de la décadence de la France. Voilà ce qu'a dit exactement Jean-Marie Le Pen. Ça fait plaisir. C'est charmant, hein. C'est beau, hein. C'est en gros, la décadence de la France, ce sont les Français. C'est-à-dire que nous, les 4 millions de Français représentent la décadence de la France. C'est ça que ça veut dire. Et il a dit ça le même jour, le dimanche. Il aurait pas pu attendre après. Non, même pas le dimanche. Le jour de la marche, quoi. C'est ignoble. Ouais, bon. Vas-y, continue. Il a frappé au moment où la France s'est sentie le plus faible. Il le savait. Il a vu que tous les Français s'étaient réunis ce jour-là. Il s'est dit, c'est une opportunité pour foutre la merde, comme d'habitude. Un peu plus tôt, il avait annoncé dans la même ville qu'il conduirait la liste du Front National aux élections régionales en PACA en décembre.
Oups, décembre 2015, bien sûr. Hein, en ce jour d'hommage national. Donc les PACA, je vous plains. Faites le nécessaire pour le contrer, surtout. nous sommes ici, il a dit aussi, nous sommes ici dans une des régions que les sondages accordent du bout des lèvres au Front National avec celle du Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Évoquant le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, le fondateur du Front National a jugé que si Marine Le Pen était candidate, elle l'enlèverait et ferait cesser la présence sociale aux communistes dans cette région depuis 120 ans. À ce que je sache, à mon sens, Marine Le Pen n'a jamais condamné les propos de son père. Ah ben non! Donc quelque part, si elle ne condamne pas, si elle a jamais... Elle est du même parti, elle pense la même chose alors, que lui. Où est l'unité, sauf... Alors où est l'unité et la solidarité là-dedans si elle condamne pas les propos de son père? Mais ah ben ça, c'est de la liberté d'expression, certes. Mais si on veut la solidarité et combattre le terrorisme, c'est pas pour que le Front National mêle la zizanie et fout le bazar au sein des Français et en disant. Mais voilà. C'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à foutre la merde entre les Français et entre tout. Autre chose, vous savez que malheureusement il y a de l'antisémitisme et du terrorisme sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous le dire, vous savez que le gouvernement va être très très à cheval sur ça. D'ailleurs, ça va être une des priorités de Manuel Valls. Il a annoncé mardi. À l'Assemblée nationale, il a annoncé clairement qu'il va y avoir une lutte concrète, forte contre le terrorisme et l'antisémitisme sur Internet. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a. Mais c'est pas tout parce que il y a un groupe de personnes qui s'en est pris, qui a commencé à s'en prendre avant. C'est les Anonymous. Les Anonymous qui ont attaqué les premières cibles, qui sont des groupes Facebook, des pages Facebook qui sont terroristes, on va dire l'apologie sur le terrorisme, qui revendiquent le terroriste et qui sont tout ça. Eh bien, mardi, il y a eu Anonymous qui commençait déjà à faire ses premières cibles. Les Anonymous de toute la planète et pas que français, ils ont déclaré ceci. Avons décidé de déclarer la guerre à vous les terroristes. Nous allons vous traquer jusqu'au dernier. Nous allons surveiller toutes vos activités sur le net. Nous ne laisserons pas votre connerie tuer notre liberté d'expression. Vous êtes prévenus, attendez-vous à votre destruction. Nous allons vous traquer partout sur la planète. C'était sur une première vidéo. Il y a une deuxième vidéo d'Anonymous. Ils ont dit ceci. Ils annoncent en fait d'avoir commencé donc d'abord ces opérations. Ils auraient aussi bloqué plusieurs comptes Twitter et Facebook de djihadistes. C'est pas facile à dire. Ils disent aussi également à François Hollande qu'il serait grand temps de se réveiller et de vous motiver à faire votre travail et non des coups de pub pour augmenter votre électorat. C'est un petit peu ce que tu as accusé tout à l'heure. Voilà, c'est un petit peu ce qui a été dit. Par rapport à Anonymous. Anonymous. Mais Anonymous, ça veut tout dire. Ils ont des masques et on ne connaît pas leur visage. Bon, d'accord qu'ils s'attaquent aux terroristes, mais là, c'est de la provoque. Mais à la différence près, c'est cru comme parole. C'est un peu de la provoque. À une différence près, c'est que pour des causes justes. Oui, d'accord. Ce sont des causes justes. Je suis complètement d'accord. J'adhère pas sur la manière de le dire. De le faire, mais voilà. Ah non, de le faire, bien sûr. De le dire, oui. Mais ils se réveillent un peu tard aussi. Ah non, ils se réveillent pas tard. Ils ont attendu la marche aussi. C'est comme les créateurs de Facebook, de Twitter et tout cela, des réseaux sociaux. Non, mais c'est aux États-Unis. Les lois en français, c'est pas les mêmes aux lois des États-Unis. C'est pas du tout les mêmes. Ce que je comprends pas, c'est les créateurs des réseaux sociaux, pourquoi ils laissent. Parce que ce n'est pas les mêmes lois. Est-ce qu'il faut que je répète une deuxième fois? Mais. Voilà, troisième fois, je vais le répéter. Les lois des États-Unis, ce n'est pas les mêmes lois en France. Est-ce que ça va? Est-ce que je dois le répéter une quatrième? Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils laissent. Eh bien, tu t'en prends pas. Facebook, tu t'en prends aux lois américaines. C'est pas la même chose. Ils contrôlent pas les réseaux. Eh bien, il faut s'en prendre aux lois américaines. Si quiconque d'entre nous voit des pages graves, que ce soit discriminatoires, que ce soit provoquant, incitant à la haine, qui soit très grave, injurieux, provoquant la haine, provoquant les menaces, provoquant tout ce que vous voulez, tout ça, il suffit d'un truc,
vous signalez la page et Facebook fera le reste. Oui, ben c'est pour tout. Ça qu'il y en a encore autant qui viennent. Parce qu'il y en a plein, parce qu'en fait, des gens créent des comptes sans cesse, des multiples comptes pour créer des pages sans cesse. Le problème, Facebook ne peut pas arrêter ça. C'est ça le problème. C'est juste ça qu'on a comme problème. Il suffit, c'est pas Facebook et le problème, c'est en fait que les gens arrivent avec, sous forme de réseau, à créer des mouvements sur Internet et qu'on a du mal à arrêter. Donc du coup, en France, il va y avoir un gros truc là-dessus. Il va y avoir des surveillances, notamment sur Internet maintenant. Ça a été déclaré maintenant, ça c'est clair, net et précis. Et je pense que c'est une bonne idée, qu'on le veuille ou non, c'est très neutre, ouais, notamment sur les réseaux sociaux. Mais c'est une très bonne idée. Vous êtes pour ou contre les surveillances sur Internet, si c'est pour des bonnes causes? Non. Est-ce que vous êtes pour ou contre les surveillances sur Internet? On va dire mitigé. Hein. C'est oui pour certains points, mais non pour c'est pas évident. On va dire, je suis entre les deux. Oui, mais si c'est pour lutter contre la haine, les violences, tout ça. Lutter contre la haine, tout ça. Là, je dirais. Après, du moment que ça n'atteint pas la vie privée d'autrui, mm-hmm. c'est juste ça qu'on peut, par contre, effectivement, être contre. C'est-à-dire, on est d'accord pour la sécurité, mais on est contre, par contre, pour la violation de vie privée. C'est tout ce qu'on demande, finalement. Mm. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ça, c'est sûr. Ensuite, alors là par contre, on va aller sur un sujet. Je vous le dis franchement. parce que là, il y a eu tout ce qui est côté antisémitisme. Alors, je vais donner la définition parce que j'ai été surpris que Charlotte ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est exactement que l'antisémitisme? Alors, qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? Alors là, je suis en train de vous clouer. C'est bien, je vous parle des mots et personne ne me pose la question. C'est quoi l'antisémitisme? Alors, l'antisémitisme, en fait, c'est un nom donné de nos jours à la discrimination et à l'hostilité manifestée à l'encontre des juifs en tant que groupe ethnique, religieux ou racial. Voilà ce que c'est l'antisémitisme. Alors, ça peut être pour différentes portes, des différents trucs. Il peut y avoir de l'antisémitisme d'ordre politique, d'ordre racial, d'ordre ethnique. Enfin, il y a plein de termes d'antisémitisme, de coup d'État. Enfin, bref, quoi. Il peut y avoir plusieurs formes d'antisémitisme. En tout cas, c'est ça la définition exacte. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, j'ai fait un petit travail personnel. Je pense que vous allez être contents. Puisque je vous avais entendu ce que Al-Qaïda a dit, on en a marre, vous attaquez notre religion, notre ci, notre là. Tout ça. Vous savez aussi qu'on a entendu beaucoup parler, comme quoi les musulmans condamnent les meurtres, tout ça, et au contraire, les djihadistes revendiquent les meurtres. C'est-à-dire que au nom de Allah, au nom de tout ça, au nom de notre religion, nous, quelque part, ils se sentent autorisés de faire ça. Vous êtes d'accord? Donc j'ai fait des recherches quelque part sur le Coran. Le Coran, vous savez ce que c'est. Mm-hmm. Donc c'est sur l'islam, hein, on est d'accord. Alors en fait, le Coran interdit fermement le meurtre. Et oui, je tiens à le préciser, c'est vrai. J'ai le mot sur moi. Comme ça, chers musulmans, je vous rassure. Comme ça, vous allez être tranquille, que je vais aussi vous aider là-dessus. Dans la sourate, c'est-à-dire dans les animaux. Donc c'est le texte 6-151. Voilà ce qui est dit, voilà ce que le Coran dit. Éloignez-vous des péchés abominables, apparents ou cachés. Ne tuez personne injustement. Dieu vous l'a interdit. Donc ça, c'est sur le meurtre. Dans la sourate, la table. Donc c'est le texte 5, 30e paragraphe. Il condamne en fait le fratricide d'Abel par Caïn et donne le fondement de l'humanisme musulman. Voilà ce qu'il dit. Quiconque tue une personne non coupable de meurtre ou de dépravation, c'est s'il avait tué tout le genre humain. Quiconque sauve une personne, c'est comme s'il faisait le don de sa vie à toute l'humanité. D'accord. Et après ça finit pas fini dans la sourate Al-Isra, c'est sur le 33e, ne détruisez point la vie que Dieu a rendue sacrée. Ouais. Ils sont contradictoires. C'est contradictoire. Alors ça sera contradictoire tout à l'heure. C'est contradictoire à la fin parce qu'il y a quand même deux petits textes que je n'ai pas trop compris. Ensuite, le Coran qui aussi demande la paix. Donc la paix qui est un principe fondateur du Coran. Il dit ceci: Dieu vous invite à entrer en la demeure de paix. Oui. Paix islam. Donc en haut croyant, abandonnez-vous totalement à la paix. Ça c'est dans la sourate 2. Et ensuite, les serviteurs de tout miséricordieux marchent humblement, et si des ignorants les importunent, ils disent paix. Et ça, c'est dans la sourate 25. Concernant les principes de guerre. Alors,
Il y a la sourate 2 qui dit et David tua Goliath, si Dieu ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, la terre serait entièrement corrompue. Autres qui disent aussi dans la sourate 47, ne faiblissez pas et appelle à la paix quand vous êtes en position de force. Et enfin, le troisième, n'attendez pas à la vie d'autrui que Dieu a rendu sacré, voilà ce que Dieu vous recommande, puissiez-vous le comprendre. Concernant la violence, alors la sourate, voilà ce que dit le Coran, ô mon peuple, soyez équitable, ne spoliez personne, ne commettez aucun désordre sur terre. C'est dans la sourate 11. Ensuite, si tu lèves la main sur moi pour me tuer, je ne ferai point de même et je refuserai de te tuer, car en vérité, je crains Dieu, le Seigneur des mondes. Sourate 5. C'est impressionnant ce que je suis en train de vous dire. Concernant le djihad, alors ils disent ceci sur le djihad, autorisation est donnée à ceux qui combattent pour avoir été opprimés. C'est là que ça commence à être contradictoire. C'est là que je comprends pas, en fait. Pour ceux qui combattent pour avoir été opprimés. Qui combattent. C'est là que je comprends pas. Et c'est pas fini. Écoute, le truc, il est parti où? Sourate 22. C'est pas fini. Comme ça, on fera le débat juste après. Toujours sur le djihad, combattez sur la voie de Dieu ceux qui vous combattent et ne commettez aucune exaction. Dieu n'aime pas les transgresseurs. Ça, par contre, c'est intéressant. Les transgresseurs, c'est ce qui vient de se passer. Les transgresseurs, c'est ceux qui ont tué. Pour moi, les transgresseurs, c'est pas nous avec notre liberté d'expression qui sommes les transgresseurs. Pour moi, les transgresseurs, c'est ceux qui ont tué des personnes. Enfin, pour moi, c'est ce que je reprends, c'est ce que je ressens. Si vous agresse, répondez à cette agression. Sourate 2. Alors là, il y a un problème. C'est contradictoire, ça aussi. Mais tout est. Agression par agression, c'est pas répondre à la liberté d'expression par un meurtre. Nuance. C'est oui, faux. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est faux. Je suis pas d'accord. Alors après, il y a plein de textes qui, pour moi, méritent polémique. Dans la sourate 2, beaucoup dans la sourate 2 d'ailleurs, qui disent « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les. » Alors écoutez, c'est là que je comprends pas. La sourate 291 qui dit « Et tuez-les où que vous les rencontrez et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. Si vous y combattent, tuez-les donc. » Telle est la rétribution des mécréants. C'est là que je comprends pas. C'est totalement contradictoire leur courant, en fait. Il faut pas tuer, mais on peut tuer. C'est ridicule. Il y a une sourate qui dit qu'il faut pas tuer et l'autre qui dit qu'il faut tuer. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? Est-ce que dans leur Coran, excusez-moi, j'irai contre vous les musulmans, mais soyez logiques. Alors si je peux me permettre, je vais revenir sur la une de Charlie Hebdo. Vous savez que ce qu'on voit, c'est Mahomet qui dit tout est pardonné. Ouais. Vous voyez. Vous savez ce que dit dans le Coran dans la sourate 2-192? S'il cesse, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des personnalités publiques, des personnalités, des acteurs, tout ça, qui incitent quand même à la haine à leurs fans? C'est ce qui s'est produit quand vous y réfléchissez? Cela, on n'y touche pas, cela. Ben, quand vous y réfléchissez, rappelez-vous ce qui s'est passé avec Section d'Assaut il y a 4 ans. Quand il y a eu de l'homophobie et que ça a imprégné un petit peu aux fans cet esprit homophobe. Vous êtes d'accord? Oui. Alors oui. Ça peut être pareil. C'est forcément pareil. Quand on est fan d'un acteur, tout ça, et ben quand le fan le suit aussi. Donc ce genre de truc, pour moi, est-ce que pour vous, pour moi, les personnalités n'ont pas à faire ce genre de choses. Pour moi, c'est peut-être la liberté d'expression, mais ça incite aussi quelque part leurs fans à suivre ces propos. Et moi, je trouve ça lamentable, personnellement. C'est complètement dégueulasse parce qu'il y a quand même des personnes qui sont derrière, qui, voilà, comme tu dis, des fans, tout ça, et tu te permets d'avoir de tels propos, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'hallucinant, quoi. Il y a un minimum, quoi. Je veux dire, t'es quand même quelqu'un qui, voilà, t'apporte une image. Et tu déçois tout le monde voilà par ça, quoi. Vous savez, on peut pas demander aux personnes d'être pour, contre, d'être de la vie de tout le monde, mais qui le gardent pour eux, quoi. Ils ont pas à mettre ça en public. Ouais, je dis comme ça, en plus en incitant la haine, parce que moi c'est de l'incitation à la haine, ça, pour moi. Grave. Et en plus, il a pas été condamné, je crois. J'ai pas vu de condamnation par rapport à ce genre de choses, alors que c'est une incitation à la haine, hein, donc je ne comprends pas. Dieudonné, lui, sur Facebook, il a, vous savez, je pense que vous étiez au courant de ce qu'il a fait sur Facebook. Il a donné ses propos. Il se sentait Charlie Coulibaly. Je crois que vous en avez entendu parler.
Et il est maintenant, il est en garde à vue. Enfin, il a été, je pense, en garde à vue jusqu'à hier, si je ne me trompe pas, pour apologie du terrorisme. Mérité ou pas, d'après vous? Oui, totalement. Mérité, oui. Ce qu'il a dit sur Facebook, il dit « Sachez que ce soir, en ce qui me concerne, je me sens Charlie Koulibaly ». Ça, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est ce qu'il a dit sur Facebook. Dieudonné a le sentiment qu'on le traite comme un terroriste et c'est pour ça qu'il a accolé les deux noms, alors que ses fans ont dénoncé sur Facebook une liberté d'expression sélective. Dieudonné a aussi écrit le 12 janvier, donc lundi dernier, une lettre ouverte à Monsieur Cazeneuve et lui propose la paix. Il a dit ceci, Dieudonné. Depuis un an, je suis traité comme l'ennemi numéro un, alors que je ne cherche qu'à faire rire et faire rire de la mort, puisque la mort, elle, se rit de nous, comme Charlie le sait, hélas. Est-ce que pour vous, c'est justifié ces paroles ou pas du tout? Non, ben non, justement, pas du tout, mais... C'est toi qui viens de le dire, justement. Tu viens de dire qu'on peut rire de tout. Oui, non, mais... Ben, dans un sens, oui, on peut rire de tout. Après, je vais pas dire que, voilà, quelqu'un qui se fout en l'air ou du terrorisme, tout ça, je vais rire de ça. Non, bien au contraire. Donc, on peut rire d'un trisomique, hein, par exemple? Non, non, c'est sûr, t'as pas le droit de... Je suis désolé de la question qui tue, mais... Non, voilà, non, t'as pas le droit de te moquer, bien sûr. T'as pas le droit de te moquer de l'état mental ou physique ou X ou Y chose d'une personne ou de quoi que ce soit. Après, faut pas non plus en faire un plat, quoi. Je veux dire. Si c'est un rire, comment dire, bon, voilà, taquin, tout ça, j'accepterai. Mais si c'est un rire dans le but de se moquer. Non, si c'est un rire moqueur dans un sens où c'est, ça peut être méchant. Voilà. Non. Donc, je ne pourrais pas cautionner ce genre de choses. C'est voilà. Il y a deux, en fait, peut-être qu'il y a deux façons de rire. T'as le rire, voilà, taquin, le petit rire, on va dire, comme justement. Comme font Charlie Hebdo, hein, de toute façon. Hein. Charlie Hebdo, c'est de la caricature, on va dire satirique. C'est ce que font les guignols de l'info aussi. Hein. On parle beaucoup de Charlie Hebdo. Les guignols font pareil. C'est ce que fait aussi Canteloup. Hein. Il fait à peu près pareil. Hein. C'est exactement les mêmes formes d'humour. Ça, d'accord. Mais du moment que ça va pas trop loin sur l'intégrité de la personne, c'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut se dire. Bien sûr. Vous êtes courant de combien est condamné l'apologie du terrorisme? Alors d'abord, c'est un délit, c'est pas un crime, je tiens à le dire. Alors l'apologie du terrorisme peut être punie d'une peine allant de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Voyons. Elle peut être portée à 7 ans et 100 000 euros si les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. Et bien c'est ce qu'a fait Dieudonné. Mm-hmm. C'est un service en ligne, c'est un service de communication, un peu Facebook pour moi. Oui. Donc, et c'est public en plus. Donc c'est encore pire. Donc quant à Dieudonné, le parquet de Paris a décidé de le convoquer au tribunal correctionnel à l'issue de sa garde à vue mercredi. L'audience, par contre, se tiendra le 4 février. Il n'est pas sorti d'affaire. Hein. L'audience est prévue le 4 février prochain. C'est vrai, la liberté d'expression n'autorise pas tout. Je le dis tout le temps. Ça, c'est vrai. Après, est-ce que ça mérite la Kalachnikov? Non, bien sûr non, que non. Bah, bien sûr que non. Tu ne peux pas. Mais l'image de la colle, ça fait bizarre quand même. On vous dit une fois, deux fois, trois fois, et après c'est la colle. Ça fait bizarre cette image quand même. Oui, bah oui, c'est clair. Ça fait même très bizarre. Donc, venant des enfants, oups, quoi, ça fait mal. Bah ça donne à réfléchir aussi, hein. Je pense que, voilà, quoi. Oui, mais bon, ça n'excusera en aucun sens et en aucun point les meurtres. Hein. Non, tout à fait, tout à fait. Alors là, ça sert à rien, même si effectivement Charlie Hebdo a été averti il y a une époque, ça c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont été avertis, mais ça ne mérite pas ça. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Donc, ça ne mérite pas les meurtres, les assassinats. Ça mérite des colères, ça mérite des avertissements, des insultes, tout ce qu'on veut. Parce que voilà, si c'était vous qui était en portrait en caricature sur la une de Charlie Hebdo, qu'est-ce que vous en aurez pensé? Si c'était toi, Lionel, qu'est-ce que tu aurais dit? Ben, moi, comme je dis, voilà, ça reste un dessin. Je veux dire, comme je dis, il ne faut pas prendre tout au premier degré non plus. Ah ben, tiens, je vais te donner un exemple. Excuse-moi l'image. Écoute bien l'image, je suis désolé. Non, mais je t'en prie. Vas-y. Tu me promets de pas mal le prendre ce que je vais te dire. Parce que, vas-y. Puisqu'on est dans la caricature, d'accord? On te voit en caricature et en disant « je suis extrémiste ». Forcément, je le prendrais mal. Là-dessus, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais bien sûr. Après, je le prendrais mal, oui. Après, t'as ta conscience, tu sais que c'est pas vrai, donc tu t'en fous. Enfin, personnellement, je m'en fous. Oui, mais... Je veux dire, je sais que c'est pas vrai, j'ai ma conscience à moi, donc... C'est pas vrai, voilà. Mais c'est lu par combien de lecteurs? T'imagines par des millions, bien sûr. T'imagines si c'était toi et que 5 millions de lecteurs disent sur toi que t'es un extrémiste, et bien après, tout le monde va te pointer du doigt que t'es un extrémiste.
Bien sûr. Donc quelque part c'est dangereux, la caricature, même si c'est humour. Bien sûr que ça reste dangereux. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Voilà, c'est fini. À très bientôt.